Bonsoir les accros, ici Big Ben avec PL et Cristal. Comment vous êtes? Tu le dis maintenant pour être sûr que je manque pas le Q, c'est ça? Non, 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 mais de toute façon, on n'a pas commencé encore. Ok. Comment vous êtes? Tu le dis? Non, mais de toute façon, je vais t'avertir de base quand on va commencer. Ah! Inquiète-toi pas. Hey, je suis content de vous voir ce soir. On dit bonjour à Monsieur Jago, Shiryuki, salut à toi. Marie-Pierre, bonsoir Marie-Pierre. C'est vraiment gentil, même si des fois vous conversez pas tant que ça, juste nous dire un petit coucou, là, ça nous touche énormément. C'est vraiment cool. Mm-hmm. Mm-hmm. Et comme dit la chanson, il ne faut qu'un petit geste pour changer le monde. Oh mon Dieu, que tu es philosophe. J'ai toujours été philosophe, Ben. C'est vrai. Quand est-ce qu'on aura une capsule de toi, philosophe? C'est parce que mon problème, vu mon problème de débit et de bafouillage, comme j'ai dit une couple de fois, parce que oui, je l'assume, c'est que si j'ai pas un texte ou whatever, une direction, parler une 20 minutes de choses qui peut peut-être vous provoquer une idée ou vous faire réfléchir, puis il faudrait « Holy fuck, j'ai pas pensé à ça », ben ça arrête de mal passer parce que justement, ben je peux finir par me perdre mes propres idées. Non, c'est correct. C'est bien correct. Je suis bonne pour improviser. Surtout des fois, je pars sur une bulle et là, j'oublie mon point de départ. Mais je continue, puis à un moment donné, je me rends compte que je sais même pas si ça a du sens ce que je dis. Je te dirais qu'il y a d'autres accros que d'autres accros. Qui ont la même particularité? Qui ont la même particularité, puis quand je lui ai moi-même expliqué à ce membre-là, ce que j'avais, dans le fond, que j'avais compris ce qu'elle a dit, la personne était très, 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 très heureuse. Oui, parce que des fois, on part sur une bulle, puis là, on est parti, là, on est intense, puis comme n'importe qui est passionné de quelque chose, on est dur à arrêter. Ok. Ah, finalement, notre collègue Marc-André va venir. Ah! On a réussi à Udengu! Yeah! En plus, ça fait bizarre, hein? C'est comme aujourd'hui, on fait un podcast où il y a une couple d'heures de ça, il y a eu un gros attentat en Belgique, puis t'es comme... Oui. Ah, comment... Tu sais, il y a plein d'émissions qui ont comme cancellé à la dernière minute, dire on n'est pas capable de faire de quoi que ce soit. Moi, je me suis dit, on le fait cette fois-là. Mais c'est... Moi, je considère la Belgique un peu comme une grande représentante au niveau de la bande dessinée. Je veux dire, oui. La Belgique est à la BD, ce que le Japon est au manga et ce que les États-Unis sont aux comics. Mm-hmm. Ils ont vraiment établi quelque chose, une norme dans le dessin. Et je veux dire, bon, on a juste pensé à tous ces grands personnages, Tintin, Spirou et Fantasio, Bully Bill, les Schtroumpfs, il y en a tellement de personnages qui viennent de là, il y a tellement genre de... Ah, c'est toute une histoire, et c'est vraiment... La Belgique a toujours été un lieu de guerre, a toujours été oui. un lieu, un territoire envahi durant, et ce, depuis le Moyen-Âge, là, c'est pas juste depuis les dernières guerres, et là, de voir que a commencé à se relever depuis la Deuxième Guerre mondiale, puis de s'établir en tant que, justement, que une sorte de pilier au niveau culturel, puis de voir que, malheureusement, c'est, tout le monde est touché par ce qui se passe en ce moment, puis... Mm-hmm. On est en, moi, je sais pas, mais c'est le cas pour vous autres, mais on est en train, peut-être, ici aussi, de se dire quand est-ce que ça va arriver à Montréal? Oui, on sent oui. Pour pas faire la peur, effectivement. Oui, Phil. Bonjour. Comment ça va? Yo! Ça va bien, vous deux? Ça... Et vous trois? On est trois de notre équipe et on a un quatrième qui s'en vient. Oui. Là. T'es-tu prêt à te faire cuisiner? Oui, je suis préparé. Parce que là, tu vois la fille qui est là, Cristal, là? Oui. Elle t'attend avec un brick et un fanal. Ah, moi? Non, c'est une joke. Oh, attends, là, je me cherche. Est-ce que ça peut servir de brique? Ça une boîte plus? De mouchoir, je sais pas, je t'avoue. Ben, ça dépend de ce qu'il y a dedans. Ok. Ouais. Attends, là, je vais essayer de trouver si tu caches plus menaçant que ça.
J'ai une balle de laine. Non, ton chat. Oh là, il est parti, là. Ben, appelle-les. Ouais, mais il répond pas quand je l'appelle. Attends, là, je vais essayer. Minou, 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 minou. Ben, j'ai bien les encyclopédies derrière moi. Il y en a pas une qui peut servir. Encyclopédie du costume puis de la mode. C'est une assez bonne brique. Et ça risque de frapper fort. Oui, quand même. Ben non, hey, écoutez gang, juste pour vous dire. Allô Shadow! Allô! Comment ça va? Un peu fatigué et un peu sénère, mais c'est pas grave. Vas-tu être carré pour ce soir, mon cher? Oui, oui, je vais être correct là. Habitude au Shadow, mesdames et messieurs, c'est que c'est un paquet de nerfs, fait que c'est dans son état normal. Oui, fait que imagine cet ancêtre, fait que... Oui, c'est ça. Ben, en plus, ça parle beaucoup hein, sur le chat en ce moment de ce qui se passe en Belgique. On a sorti des noms de grands qui sont des grands belges des créateurs. Là, on s'entend. Grands belges. Peyot, Hergé, Franklin. Je vais chercher mon café vite fait, Jolie. Name it. C'est malade. Fait que Phil, comment on va fonctionner? C'est que je vais introduire ma gang, puis après ça, je vais t'introduire toi. Excellent. Puis je vais te laisser partir sur le petit speech que tu as sûrement préparé pour le GeekFest, puis après ça, on va embarquer avec les questions. Puis si vous avez des questions sur le chat pour le GeekFest Montréal, ben je vous invite à l'écrire. Comme ça, Phil va pouvoir vous répondre en direct. Good. Hein? Puis... Ça me semble une bonne stratégie, ça. Je pense que oui. Ouais, je me trouve pas pire dans les podcasts, je trouve. Non, on dirait que c'est pas le premier que tu fais. Ah non, j'ai... On dirait que t'as de l'expérience, tu sais. Hey, écoute, j'ai déjà fait... Just saying. Tu te rappelles-tu de mon premier podcast, PL? J'avais fait avec CE. Je pense que oui, c'était un podcast enregistré. C'était horrible. Mais si je peux te rassurer, j'ai entendu 100 fois pire que toi et CE. Ah, ça se peut. Dans votre premier podcast. Ah, ça se peut. Tu sais, il y a un début à tout, là. Oui. Ouais. C'est un fait. Fait que, non, mais... Faut noter que c'était ton premier podcast à vie. Oui. Puis, j'essayais quelque chose de nouveau. Pour toi, c'est nouveau. Au Québec, on n'était pas beaucoup de podcasts à l'époque. Non. Là, il y en a beaucoup, là. Vous allez sur RZO, vous en trouvez plein. Puis ça, c'est super cool. Mais à l'époque, là, j'étais dans les premiers. Oui, oui, absolument. Okay? Je suis pas répertorié dans les premiers, là. Je m'en sentais, est mystérieux, étonnant, puis... Radio Talbot était là avant moi, mais j'étais les premiers. On était petits. Mais c'est ça. En tant qu'indépendant, il y avait le podcast Agro et il y avait les mystères étonnants. Ouais. Ben quoique, Denis Talbot il était quand même indépendant pareil là. Il travaillait pour, encore une fois pour sous la branche de ça de Musique Plus, non? Martin ouais. À l'époque. Dieu est son âme, Musique Plus. Bon, ça fait des années qu'il vivait. On a quand même déjà discuté dans le podcast précédent. Il était sur le respirateur artificiel, ouais. C'est Denis Talbot qui rendait encore Musique Plus pertinent vis-à-vis de la culture québécoise. Tout le monde fait ça tranquillement pas vite. Ouais, c'était même pas. T'as un bel écran vert, dude. Ouais, il est plus blanc que vert, là, présentement. J'essaie de régler ça. Ah, c'est correct. Bonjour à toi, gamer du Nord-Ouest. Content de te voir. Rick Destin qui dit que Musique Plus était sur un respirateur artificiel. Je sais pas, je me suis désabonné dès que Denis Talbot a mis le pied d'or. Ah ouais. J'ai appuyé sur mon petit bouton, je l'ai enlevé. Salut! Yeah, plus de Musique Plus. Moi, j'ai désactivé. Je n'écoute plus Musique Plus quand ils ont affirmé que leur chaîne faisait 80% uniquement de choses musicales. Mmh. Et une de leurs excuses était aussi l'affaire de Kim Kardashian parce qu'elle sortait avec Kanye West, fait que ça comptait. Hashtag raison de merde. Ben, surtout qu'il veut pas apparaître dans son émission, fait que déjà là... Mmh. Êtes-vous tous prêts? Oui. Ah voilà, un peu plus de couleurs. Oui. Autant qu'on le peut. Alright. Bon. Fait qu'écoutez, l'ordre de rentrée, c'est PL, Shadow et Crystal. Après ça, je t'introduis Phil et on parle du GeekFest. Ça te va? Ouais. Alright. Ouais, ça me... Tu vas parler du GeekFest? Oui, GeekFest Montréal. On est les premiers à avoir des nouvelles. Yes.
On a ici là une belle exclusivité, alors réfléchissez-vous. Donc, ces temps-ci, j'ai zéro nouvelle, j'ai rien, je suis out of the world présentement. C'est correct, je vais filer ta place pour toi. Podcast. Comment on pose des questions à Phil? Juste à l'écrire, mettons, écrivez Geekfest 2 points ou question 2 points. Comme ça, on va pouvoir faire une sorte de tri. Puis les membres dans l'équipe vont pouvoir les prendre puis les poser à Phil tout au long de l'entrevue. Podcast Zacro, édition du 22 mars 2016. On commence ça dans 5 secondes. Salut Zacro, salut Big Ben. Antithèse. Chalou qui sait. Et Cristal. Pour le podcast Zacro, bienvenue à cette édition du 22 mars 2016. On n'est pas tout seul ce soir. On a un invité spécial. Oh yeah. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter Phil. Mais qui est Phil? Ben Phil, c'est le représentant du Geekfest Montréal 2016. Il va venir parler avec nous du Geekfest. On est rendu avec une exclusivité, Phil. Hein? Exactement. Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler du Geekfest de 2016. Donc, le Geekfest, comme toutes les années, va vous présenter des activités geek. Donc, pour la date, ça va être le 5 et 6 novembre 2016. 5 et 6 novembre. Et ce sera toujours au collège. Oui, exactement. Et ça va être encore une fois, comme l'année dernière, au collège de Maisonneuve à Montréal. OK. Et donc, on a quelques invités à vous donner. Oui! Ben, oui, déjà. Hey, on a vraiment des primeurs, là. Ben, on s'est forcé pour vous donner une vraie exclusivité, là. OK. Donc, en termes de cosplayer, on va avoir Nathan DeLuca qui vient de Halifax. Nathan DeLuca. On va avoir Valeria et Achary. Ils sont de Montréal. OK. Puis eux autres, sont-tu des cosplayers du circuit en tant que tel? C'est ça que je comprends? Oui, c'est exactement ça. Je vais vous dire, je connais pas énormément le monde du cosplay, mais on m'a dit que c'était quand même des invités intéressants qui devraient nous apporter des beaux cosplays, des beaux... et de beaux costumes. Super! Sinon, bien sûr, beaucoup de YouTubers qui vont être présents, comme Tester Alpha, encore qui d'autres, Luduc aussi, bien sûr. Le jeu, c'est sérieux. Mm-hmm. Et Power Chaser. Power Chaser. Oui, exactement. Pour ne nommer que ceux-là, parce qu'il y en a bien d'autres encore à venir. Et sinon aussi, on a le Burlesque Geek qui va revenir encore cette année, en soirée, le samedi soir, pour un show un peu plus mature. Parce que, comme vous savez, le Geekfest est ouvert à tous, mais on a une programmation durant la soirée du samedi qui va être un peu plus mature. Bien sûr, aussi, on va avoir un bar d'ouvert sur place pour les 18 ans et plus. OK. Et on a aussi Cric et Pomme qui vont faire des panels sur la culture geek mature. Oh. Dans une partie qu'on a nommée After Dark. OK. Et là-dessus, je laisse un peu planer le mystère. Qu'est-ce que sera la partie After Dark? Vous en saurez un peu plus au cours des prochains mois. Donc, ce que je comprends du After Dark, c'est qu'on risque de voir du monde poké le dimanche matin. Peut-être qu'il y a une couple de staff qui vont être poké, en effet. OK! Ça dit des bonnes choses! Ça promet. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre à l'édition cette année? Écoutez, comme habituellement, des panels, plusieurs invités. On va avoir une salle de gaming. On va avoir notre fameuse salle de Artemis, qui est un simulateur de vaisseau spatial qui est très, très populaire. Qui est un classique du Geekfest, d'ailleurs, de la salle Artemis. La salle Artemis est un classique depuis le Geekfest de Québec en 2014, si je me rappelle bien,
qui avait pogné comme ça avait pas de bon sens. Et donc, on a appris de ce succès impromptu et cette année encore, ça va être un grand... ça devrait être un grand succès avec encore plus d'ordinateurs et de folie. Est-ce qu'on va retrouver cette année encore, je sais qu'il y avait le festival de podcasteurs, est-ce qu'on va le retrouver encore cette année? Oui, on travaille encore pour faire une deuxième édition du Podcast Mania qui devrait avoir lieu cette année dans les jardins. Dans les jardins? Oh! Parce que comme vous savez, au Collège de Maisonneuve, il y a un jardin intérieur. Et donc, cette année, la zone bar va se trouver dans les jardins avec le Podcast Mania. Super! Puis, ouais. À quoi qu'on... J'ai une bonne question selon toi, puis je te prépare. L'édition de l'année passée a eu des bonnes critiques quand même. Les gens ont été très contents de l'édition. Il y avait quelques corrections à apporter. Trouvez-vous que vous allez tenter de corriger les différents problèmes que vous avez eus auparavant de l'année passée dans cette édition-ci? On a fait une bonne rétrospective de ce qui a bien marché l'année passée, de ce qui a moins bien marché. Je te dirais qu'on travaille fort pour faire la meilleure édition possible à chaque année. Moi, malheureusement, j'étais pas là l'année passée. Okay. J'ai pas vu ce qui s'est passé de moins bien. Mais ce que je sais, c'est qu'on a cette année une équipe qui est très dévouée à la tâche, qui a appris de ses erreurs et qui souhaite offrir, comme à chaque année, la meilleure expérience à nos participants. Parce que nous, notre but vraiment, c'est que les gens qui viennent au GeekFest s'amusent, découvrent des choses, puis repartent avec le sourire. Okay. On veut vraiment donner une expérience unique aux gens, puis je pense qu'on est bien parti pour ça. On nous demande dans les questions, ça vient de M. Jago, il aimerait savoir, est-ce que la cafétéria va être ouverte cette année? La cafétéria devrait être ouverte cette année, il me semble. Ça devrait être dans les plans. Pour l'instant, ça va être à voir, là, mais c'est envisagé, oui. OK. Je sais pas si dans l'équipe, vous avez des questions de votre côté. Je te dirais non, parce que c'est encore relativement tôt. Puis il y a quand même des informations assez croustillantes, puis... très intéressant, qui devrait intéresser. J'aime bien l'expliquer aussi. Et en partant, you know? Mm-hmm. Moi, j'ai une question. Vas-y. Ça n'a pas été mentionné. Est-ce qu'il va y avoir une mascarade? Bien sûr qu'il va y avoir une mascarade. Quel oubli. Bien sûr. La mascarade va être un des points centraux de l'événement cette année encore. Veux pas. On est aussi en train de travailler pour avoir... un invité spécial parmi les juges. Je peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a rien de confirmé, mais on aimerait vraiment avoir un cosplayer important qui devrait faire partie des juges de la mascarade. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre côté... est-ce que vous travaillez toujours pour essayer d'avoir un gros invité pour cette année ou vous allez plus vous recentrer vers le Québec comme pour les invités cette année? On a quelques gros noms sur lesquels on travaille. Il n'y a rien encore de signé, donc je ne peux pas en parler. Mais si ça fonctionne, je sens qu'il y a beaucoup de gens à Montréal qui vont être extrêmement heureux. Mais pour l'instant, là, je ne peux pas en dire plus vraiment. OK. Monsieur Diego pose également une autre question concernant les tables de préinscription. L'année passée, il y avait seulement une table. On se demande si ça va être possible de pouvoir faire plusieurs tables de préinscription plutôt qu'en laisser une. On va faire notre possible avec l'espace qui est disponible à l'entrée pour en faire le plus possible. Comme l'année passée aussi, on va faire une activité sûrement le vendredi soir où les gens vont pouvoir ramasser leur passe pour pouvoir rentrer le samedi matin le plus tôt possible. OK. Sinon, pour le plus ample information, est-ce que votre site internet est prêt ou il n'est pas encore prêt?
Écoutez, pour l'instant, notre site internet est hors ligne. On travaille pour rétablir le plus rapidement possible. On a eu un tout petit problème de nom de domaine, donc, mais ça devrait être réglé sous peu. D'accord. Tu veux juste nous renommer tes invités les invités que tu nous as annoncés cette année, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, dans les cosplayers, nous avons Nathan DeLuca, originaire d'Halifax, Balanaria et Achary de Montréal. Nous allons avoir les gens du Burlesque Geek en soirée. Et aussi certains YouTubers tels que Testeur Alpha, Le Jeu C'est Sérieux, Ludic, pour ne nommer que ceux-ci. Et aussi, entre autres, Cric et Pomme, qui vont nous faire des panels de geeks matures. Parfait. J'ai deux questions ici encore dans le chat. Antistage, je peux te laisser les poser? J'ai une question assez pertinente. De la part de Takushimura, il aimerait savoir si vous pensez faire venir des comédiens de doublage cette année pour le Geekfest. Ça peut être des comédiens de doublage locaux, peut-être? Même? Je suis pas au courant si on regarde pour des comédiens de doublage. C'est sûr qu'on essaie d'avoir le Geekfest. Sa mission est tout d'abord de toucher la plus grande variété de domaines geeks. Donc, on essaie de pas trop se concentrer juste sur un aspect plutôt que l'autre. Mm-hmm. Et c'est une bonne idée. Écoutez, c'est encore tôt dans l'année. Je veux dire, on est fin mars, puis l'événement en novembre. Donc, il y a encore du temps. Mais c'est une bonne idée. Je vais le noter, puis on va en parler. Puis, mm-hmm. S'il y a quoi que ce soit, ben, suivez notre Facebook, puis on va l'annoncer. Ben, ça rejoint un petit peu ça rejoint un petit peu la question de M. Jago qui demande si on veut suggérer des invités, où on peut vous les proposer. Bien, la meilleure façon, c'est soit nous écrire par Facebook ou par email. En fait, le plus facile vraiment, c'est par Facebook. Il y a quelqu'un qui va vous répondre assez rapidement, que ce soit moi ou un autre des organisateurs. On est toujours très présent et nous, on travaille, dans le fond, on l'organise pour la communauté. Donc, si la communauté a des demandes, qui nous les envoie, ça va nous faire plaisir de regarder ce qu'ils demandent, puis de le faire si c'est possible. Ben, c'est good. C'est ça, on ment beaucoup. On ment en ce moment, c'est M. Jago qui dit qu'il aimerait voir Max Beaulieu. Mais c'est qui Max Beaulieu? Je sais pas c'est qui, là. Je sais qu'il y a une chaise Beaulieu, qui serait le propriétaire de ce certain Max Beaulieu, mais ça, c'est dans les dans le côté obscur de l'Internet. On met ça moi, je dirais Shadow QC devrait être un invité, selon moi. Il est plus présent. En tout cas, moi, ma table est déjà réservée. Oui, la table des accros aussi est déjà réservée. Bien sûr, les accros sont des invités de longue date du Geekfest. Ça va faire plaisir de vous voir encore cette année parmi nous. Écoute, pour nous, pour les accros des jeux, c'est un véritable honneur à chaque année d'être invité au Geekfest Montréal. Mm-hmm. C'est probablement un des festivals qu'on fait la plus de promotion, tout simplement parce qu'on sait que c'est petit, c'est chaleureux lorsqu'on y va là-bas, puis on est toujours bien traité dans la mesure du possible. Donc, là-dessus, c'est pourquoi que les accros des jeux sont contents de retourner cette année au Geekfest Montréal. Donc, vous allez nous trouver cette année, encore une fois, derrière la table, à vous jaser, à faire plusieurs panels. Et également, on va s'arranger pour qu'on soit au Podcast Mania cette année, encore une fois. Il y avait une question de Shiryoki 9 pour M. Phil. Est-ce qu'il va y avoir des horaires en version papier disponibles pour les participants? Écoutez, il est encore trop tôt pour le dire, mais c'est quand même une bonne idée. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a Internet sur leur téléphone. C'est pas tout le monde encore en 2016 qui ont un téléphone intelligent digne de ce nom. Puis je pense que ça serait une très bonne idée justement pour les gens d'avoir
horaire en papier. C'est sûr que à la base, l'horaire va être affiché un peu partout, mais on va prendre en considération d'en imprimer quelques-uns pour puis qu'on va remettre sûrement à l'entrée, à la réception des billets. Une map, bon. Ça serait bien aussi. Oui, ben on est en train de travailler sur une map. C'est vrai que ça peut être un peu labyrinthique, mais on va s'assurer que les gens puissent se retrouver facilement. Oh, mais je me suis perdu moi l'an dernier, c'est pour ça que je dis ça. Ah oui. OK, ben on va faire en sorte que ça réarrive pas. Ben, écoute, les gens posent tellement des bonnes questions sur le chat en ce moment, là, c'est fou, ben oui, là. Je suis fier de votre public, c'est des questions très pertinentes. Tu vois, un des problèmes que M. Diego a trouvé, c'est qu'il y avait trop de bons panneaux en même temps. Ouais, vrai, mais ben, ça, je pense qu'ils pourront pas rien faire, ils n'auront pas le choix de mettre des bons panneaux en même temps, ils ont que des bons panneaux. Mm-hmm. Oui. C'est ça. Ben, nous, on suit beaucoup aux gens, à la communauté, qui, pour nous offrir des panneaux de qualité. Puis, même l'année passée, on avait dû en couper parce qu'on en avait trop. On avait eu trop de propositions. Donc, ce qui est le fun, c'est que les participants à la communauté geek de Montréal est très réceptive et a envie de donner de la qualité aux gens, donc c'est toujours un plaisir de partager les passions de chacun. Effectivement. Finalement, Shirioki 9, et ça c'est une bonne question pour vous autres gens du Geekfest, si on veut une table dans l'allée des marchands, on s'adresse où? Est-ce que pour moi, s'il reste encore des places disponibles pour des tables, c'est important de partager l'information. Il en reste encore. Le plus facile, comme je dis, pour nous contacter, c'est via notre page Facebook, GeekFest Montréal. Vous nous envoyez un message et le responsable des tables, on va vous donner le email du responsable des tables. Ça va nous faire plaisir. Malheureusement, je l'ai pas. Ah oui. En fait, non. Never mind. Je vais vous donner tout de suite aussi le email du responsable des tables, c'est luc.biron@geekfestmtl.com. Excusez. C'est la un même instant. Chose. Oui. Excusez. Oui. Excusez-moi. Mais c'est tout pardonné et justifié, Ben. Excusez-moi. Hashtag Biron. Hashtag Biron. Hashtag Biron. Hashtag Luc Biron. Oui. C'est Luc Biron qui s'occupe des tables cette année au Geekfest de Montréal. Et donc, si vous désirez une table, luc.biron@geekfestmtl.com. J'imagine que c'est aussi par l'entremise du Facebook qu'on peut obtenir des informations concernant des panels. Si on veut soumettre un panel. Dès que notre site va être réouvert, il va y avoir une section sur le site Internet où vous allez pouvoir postuler, que ce soit pour les panneaux ou pour être bénévole, bien sûr. On cherche, comme à chaque année, des bénévoles durant la fin de semaine. Puis avec la possibilité aussi d'avoir votre billet qui soit payé si vous êtes bénévole. Donc, c'est une bonne... C'est une bonne occasion de découvrir le Geekfest de Montréal, de participer et d'avoir du plaisir, autant du côté des participants que des bénévoles. Donc, tout le monde est le bienvenu. C'est bon. On a d'autres questions également. Écoute, ça flue de questions. Il y a aussi la question qui tue. Est-ce que la piscine à balles revient? Hein? C'est tellement 2015. Ça va devenir 2016, ça me vient. Écoutez, on va essayer de se réinventer quand même. Je pense que l'idée, c'était pas de recycler les vieilles idées, mais de pouvoir... Mais ça marche. Ouais, ça marche. C'est demandé. Écoutez, s'il y a une grande demande, ça va nous faire plaisir de la remettre, mais il faut que la communauté se mobilise vraiment. Si vous la voulez, communauté, gens des accros, peuple geek montréalais, mobilisez-vous et on va vous donner votre piscine à balles. Est-ce que vous avez entendu ça, les gars? Moi, je sens que bientôt, il va y avoir un groupe Facebook qui va être créé
Nous voulons la piscine à balles pour le Geek Fest. Et là, il va y avoir une pétition gouvernementale avec 20 millions de signatures. Je sais pas si tu sais dans quoi tu viens de t'embarquer, là, mais... S'il y a 10 000 personnes qui achètent des billets et qui veulent une piscine à balles, ça va me faire plaisir de leur donner une piscine à balles. Pour moi, je suis géant. Est-ce que vous allez partir à un autre Kickstarter comme vous avez fait l'année passée? L'idée du Kickstarter, c'était de partir l'édition 2015. Maintenant que c'est parti, puis qu'on a le vent dans les voiles, on n'a pas vraiment besoin d'un autre Kickstarter. Je veux dire, c'était bien pour l'époque, mais si on en fait un à chaque année, les gens ne nous prendront pas au sérieux, je pense bien. OK. Fair enough. C'est bon. Est-ce que j'ai manqué des questions sur le chat, mes amis? Non, je pense que tout a été pas posé. Du moins, c'était des questions qui étaient quand même pertinentes. Donc, oui. Ça démontre juste que non seulement les gens sont intéressés, mais également, il y a également intérêt pour la participation. Mm-hmm. Fait qu'écoutez, c'est le 5 et 6 novembre prochain. Donc, vous avez le temps. Vous pouvez mettre ça dans votre calendrier, mais préparez-vous quand même. Ça serait cool. Les billets sont déjà en pré-vente, disponibles. Vous pouvez avoir le lien via notre page Facebook. All right. Et oui? Je pense qu'une dernière question est quand même relativement pertinente pour GeekFest. Est-ce que vous avez des plans pour le GeekFest Québec pour 2016 ou ça pourrait être même pour 2017? La question est lancée comme ça, là. Pour 2016, il n'y a pas de plan pour Québec. OK. On va voir avec le temps. C'est sûr qu'on aimerait retourner à Québec. Pour l'instant, c'est surtout une question de team. La plupart de notre équipe est à Montréal. On a très peu de personnes à Québec. Puis l'équipe qu'on avait à l'époque est un peu éparpillée et dissoute. Mais c'est jamais exclu. Mais on va voir après 2016, peut-être qu'on va y repenser. Hey, comment s'appelait le studio, Marc, le studio de jeux vidéo qui était là au GeekFest Québec? Nicolai? Oui, Nicolai. Nicodai? C'est pas Nicodai? Celui avec Night Squad? Ouais. C'est Chainsaw. Quelque chose. Attends, je vais aller vérifier si tu veux. Ça serait cool de les revoir! Je sais pas si on va continuer ça. J'ai pas de temps suivi. Je vais aller trouver le nom de la compagnie. Ce sera pas bien long. Ou bien, est-ce que vous pensez peut-être à apporter des studios indépendants au GeekFest? Ça serait intéressant, oui. Il y a notre partenaire de l'année passée, Nicorail Studio, qui va être encore là cette année. Pour l'instant, on n'a pas encore d'autres studios confirmés, mais c'est sûr qu'au nombre de studios... Puis à Montréal, il y a de la place en masse au GeekFest pour en avoir un ou deux de plus facilement. Une grosse salle de gaming, ça serait cool. Sérieusement. Chainsaw Awesome Game. On l'a accompagné. Chainsaw Awesome Game, ça sonne bien. Écoute, je pense que c'était une des attractions du GeekFest Québec. Là. Le monde y arrêtait tout puis jouait tout à ça. Oui, je me rappelle. Nous regardait tout jouer parce qu'on était à côté. Ouais, c'est vrai. On entend M. Diego undermine les guises depuis. C'est sûr que Guise d'épée va être là avec le jeu, c'est sérieux. Mais il peut pas se dédoubler non plus. Mais si on peut offrir une table de même à Undermine, je pense qu'il serait d'accord. C'est certain. On lance l'idée, vous pouvez la prendre si vous désirez, et vous pouvez en faire ce que vous désirez, mais ce serait cool. Parfait. Écoute, 5 et 6 novembre prochain, plus d'informations sur le Facebook en ce moment du GeekFest Montréal, c'est bien ça? Exactement, et très bientôt sur notre site web. Ben, merci énormément d'être venu et merci à vous pour les informations. Puis, si jamais tu as des nouvelles que tu veux nous garder en exclusivité, on est preneurs. Alors, je t'invite à venir en parler au podcast. Excellent. Ben, merci beaucoup pour votre temps, messieurs, dames. Ça fait un plaisir de discuter avec vous. Ben, merci beaucoup, Phil. Merci à toi. À la prochaine.
À la prochaine, au revoir. Au revoir. Comment ça va, ma gang? Ça va bien, toi? Oui, hey, écoutez, une belle entrevue, je trouve. Ça a été vraiment nice. Des informations exclusives sur le prochain GeekFest. Ça, on en prendrait à tous les jours. Mais avant de commencer, je vais faire un petit tour de table, savoir ce que vous avez fait au courant des dernières semaines. Là, j'en prends un que je m'ennuyais énormément. Oui. Toi, Marc. Oh, je me suis ennuyé de toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Shadow. Ta gueule! Il s'est super ennuyé de toi. Oh, trop chou. Comment ça va? Oh, pas payé. Ben stressé ces temps-ci, beaucoup de travail. Mais... Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci, mis à part le travail? Essayer de réparer mon ordi qui est brisé à peu près depuis 3 semaines. Une des raisons pourquoi j'ai pas pu participer, parce que ma carte mémoire a décidé, ma carte graphique a décidé qu'elle me lâchait. Ouais, ça arrive souvent. Fait que ça fait assez mal un autre 300$, puis pas assez de trouver de quoi, mais j'ai eu, grâce à un ami assez charitable, pour 60$, j'ai une carte graphique plus forte de qu'est-ce que j'avais. Fait que c'est de l'arranger présentement, de tester mes affaires. Okay. Travail, il y a eu deux tournages faits avec Ju et Sushi, puis un nouveau qui va peut-être arriver dans Shadows on Game. Dude. Ça reste encore à voir. On va l'appeler Dude. Oui, à peu près Dude, ouais. Dude. Donc il y a deux tournages qui ont été faits là, il y a la prochaine critique qui est en train de se préparer, il y en a une autre qui est en train de se préparer aussi, il faut juste que je tourne du stock dessus, parce que une des raisons pourquoi la carte graphique a sauté, c'est justement à cause d'un des jeux que je suis en train de tester. Même ma carte graphique nouvelle là, je roule à médium puis je rush encore, fait que le jeu il en demande beaucoup. Fait que c'est beaucoup de travail, et changement de job, fait que beaucoup de travail, beaucoup de préparation à faire pour ça, fait que j'ai plus une seconde à moi. Dès que je peux, j'essaie de tester quelque chose, j'essaie de faire automatiquement un peu de montage quand que je peux. Là. OK. Ben c'est good ça. Je vais aller avec du côté antithèse. Oui. Tu as fait de bon au courant de la dernière semaine, toi? J'ai fait du... Attends, c'est ce que tu peux dire que j'ai fait. Est-ce que... Attends. Tu as joué à Strider, ça c'est sûr. Oui. Tu as joué à Project Cross Zone 2 parce que c'est sorti. Oui. J'ai également joué à Mortal Kombat X. J'ai également joué. J'ai plutôt assisté quelqu'un à Bloodborne. Je sais pas si ça peut compter comme étant du gaming. Je trouve bon, je dirais oui. Que oui. Également Destiny. Je te dirais plus Bloodborne. Il est fascinant. Je pose la question. Je préfère Bloodborne à Destiny. Sinon, ben écoute, je me suis pris Life is Strange. Mon ordi rush un peu. Fait que j'ai pas vraiment. Jouer beaucoup, malheureusement. Non, il en manque pas pire pour les ordinateurs assez vieux, malheureusement. Mais 2011, tu penserais que ça serait suffisant, tu sais, puis j'ai checké les prérequis, puis genre, ben, je suis dans les prérequis, mais non, il rush un peu, il lag. Ouais, mais mon ordinateur a moins rush sur bien des choses qui sont récentes, puis j'ai eu un ordinateur qui a 2 ans. Ouais, c'est ça, c'est ça fait juste rappeler. Ça peut juste rappeler à quel point que les jeux sont de plus en plus demandants. Ben, comme le jeu que je teste présentement, ils ont dit 3 ans, fait gaming quand même assez fort depuis le temps. Mm-hmm. Et j'ai du monde qui ont justement changé de setting, puis ils sont limite pour l'accoter le jeu. Là. Et c'est pas tout, en passant, j'ai aussi fait continuer ma partie de Xenoblade sur Wii U. Maudit qui est long, ce jeu-là, il est le fun, il y a un méchant beau challenge, mais maudit qui est long. Écoute, tu me donnes le goût. Honnêtement, je voudrais qu'il est assez universel parce que c'est un jeu que tu peux jouer autant offline qu'online. C'est juste qu'il y a des menus séparés pour ça, alors t'as pas l'impression d'être envahi si t'es pour jouer à ton jeu. Si tu veux juste faire l'histoire, jouer à ton jeu online, puis pas finir ton personnage, ben t'as pas ce stress-là. Ok. Et on va aller du côté Crystal. Qu'est-ce que t'as fait de bon tout au cours de la dernière semaine? Pas beaucoup de jeux, mais beaucoup de crochets et de regardages d'animes, parce que je suis en train d'essayer de monter mon inventaire pour la prochaine convention que je fais. Donc présentement, c'est vraiment un peu étrange, parce que ce que je fais, des petites pieuvres en écoutant des animes. Des petites pieuvres. Ouais, en fait, je peux vous montrer un petit exemple ici. Donc nous avons ici une petite pieuvre mauve.
Ça ressemble à la pieuvre que j'ai failli manger quand j'ai mangé ma pizza aux fruits de mer hier soir. Ouais, ben ils vont éventuellement avoir des yeux. En fait, j'ai pogné une boîte de balles de laine, puis je suis en train d'en faire une de toutes les couleurs que j'ai. Donc, c'est la façon la plus rapide pour moi de me monter un inventaire. Tu fais le même affaire de toutes les couleurs possibles et imaginables. Comme ça, tout le monde est heureux. Ils trouvent quelque chose de leur couleur. Donc, ben sinon, côté anime, ce que je suis en train de regarder, je viens de terminer la série Witch Hunter Robin, une série un peu style policier dark avec un peu de magie que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et je viens de commencer The Last Exile. C'est assez particulier, c'est un peu steampunk, mais pas dans le sens qu'on est habitué de voir. C'est vraiment plus un mélange de ancien et vieux, mais pas avec des affaires d'engrenage. C'est plus comme des bateaux qui volent et qui s'attaquent à coups de mousquet. Donc, tu sais, ça un peu... Un petit peu comme Princess Mononoke? Oui, ça donne un peu cet effet-là. Ça En fait, moi, ça m'a fait beaucoup penser à Princess Mononoke puis Nausicaa of the Wind. Mais c'est pas par des studios Ghibli. Et dans le fond, c'est deux adolescents qui font du transport de courrier, qui transportent des messages. Donc, on suit un peu leur histoire. Mais là, je suis au début, fait que je connais pas plus pour ça. Mais ça augure très bien. J'ai hâte de voir la suite. Ah, intéressant. Ben, de mon côté, j'ai moins gamé, mais je me suis procuré Grand Theft Auto 5, finalement. Pour combien? Je sors le prix. Je paye 15. C'est excellent bon pour ce que c'est. Oui. Sur PC? Non, ordinateur. PlayStation 3. Ok. Non, mon ordinateur n'est pas capable de le rouler. Mais mon PlayStation 3, il roule. Fait que je me suis dit, pour 15$. Okay. Ça serait con que je me le procure pas. Et je me suis tapé la moitié de la saison de Daredevil saison 2. Oh wow, déjà? Oui. Et holy crap! The Punisher est écœurant. C'est pas pour rien qu'il me le dit que Punisher, il torche des culs dans la saison 2 de Daredevil. Il est vraiment bon. Moi, écoutez, j'aimais beaucoup le Daredevil de... comment il s'appelle? Le premier film qui est sorti en 2000. Thomas Jane. Je le trouvais bon, lui. Mais sérieusement, il vient de clencher, lui. Il est fou, ce gars-là. Mais il est vraiment bon. Es-tu un peu comme Punisher, qui nous a été présenté l'an passé sur Internet? Dirty Laundry? Dirty Laundry, c'est ça. Non, ouais. Il est pas comme Dirty Laundry, mais il est quand même yard, là. Oh, wow. Ouais, puis l'utilisation du gun, il sait comment l'utiliser. Puis ça fait, ça ramène beaucoup le côté sombre de Matt Murdock / Daredevil. Donc, c'est vraiment nice. Je vous invite à l'écouter si vous avez fini la première saison de Daredevil et vous n'avez pas encore commencé. Là, embarquez. Là, c'est très bon en ce moment. Fait que c'est ça. Hey, on embarque-tu dans les nouvelles? Enfin, Thibaut, j'ai envie de parler de nouvelles. Mais avant de commencer, juste faire un petit coucou à nos amis qui sont sur le chat ce soir. On n'a pas eu le temps de vous jaser ben parce qu'on était en entrevue tantôt. Mais on aimerait dire un beau bonjour à Max Beaulieu, Maman Jou, Monsieur Diego, notre collègue Guillaume 3232. J'allais dire Félix Cristal, mais t'es avec nous. Tac Timura, le gamer du Nord-Ouest. Max Beaulieu, on sait toujours pas c'est qui. On sait pas c'est qui. Moi, je trouve ça vraiment génial. Alex du Québec, 6969. Qui vient sur mon appareil, il dit « Salut les Québécois! » Salut Alex! Salut Alex! Sirioki 9! Rick Dustin Scorpio! Et je pense que... Marie-Pierre 2 aussi. Marie-Pierre 2, oui, effectivement. Et Mademoiselle 88, que je cherche son nom. Kyrian... Cristaline 88! Cristaline 82. Parce que c'est la personne que, à tort, on pensait que c'était mon bébé. La semaine passée. Hein? Rappelle pas. Oui, la semaine passée, il y a quelqu'un, je me souviens plus c'est qui a dit ça, probablement qu'ils vont me le dire. Il demandait si Cristaline c'était mon bébé à cause de Cristal. Donc, oui. J'avais oui. dû démentir la rumeur qui commençait à prendre naissance dans le chat parce que là, c'était pas. Il y en a deux, trois qui ont fait de la remarque. Mais... Et finalement, King Mojo 1, 2 et 3. Et sûrement plus qui nous écoute en différé. Avec oui. Zero Lag Gaming qui vient d'embarquer et G Unique. Salut à vous deux.
content de vous voir. Donc, attends, la joke de Christian, oui, c'est vrai, c'est Zero Lag qui l'avait écrit. Hey, on embarque-tu des nouvelles? Et là, je vous présente ma nouvel écran qui n'est pas encore terminé, mais au moins vous allez pouvoir voir les nouvelles en même temps que moi. Ouais! Surtout que cette semaine, il y en a des bonnes, il y en a des nouvelles assez punchées. Oui, il y a des très bonnes nouvelles, mais d'abord, écoutez, comme ceux qui sont arrivés un peu plus tôt et qui ont pu voir ce que j'ai préparé. Nos amis des Mystérieux Étonnants ont parti une campagne de financement Indiegogo. Et je veux pas faire la pub moi-même. Je vais laisser Benoît en parler. OK? Ceux sur le chat, vous l'entendrez pas. Mais ceux qui sont avec moi sur Skype, vous l'entendrez pas. Mais les autres, vous allez pouvoir l'entendre. Fait que je vais laisser Benoît parler. Salut, mon nom c'est Benoît Mercier, je suis animateur, réalisateur des Mystérieux Étonnants. C'est un podcast que je fais entouré d'amis depuis maintenant 10 ans, des passionnés de culture populaire, cinéma, bande dessinée, jeux vidéo. Au cours de notre existence, on a couvert plein d'événements comme le Comic-Con de Montréal, le Festival de la BD francophone de Québec, le Festival de la BD de Montréal. On a reçu des gens comme Jean-François Rivard des Invincibles, Pod 19-2, Yves Corbeil et plus autres artisans de la scène québécoise de la culture populaire. On veut passer à la prochaine étape. On veut mettre sur pied un studio qui va nous permettre l'enregistrement et la diffusion de contenu vidéo et audio. Donc, c'est pas simplement un studio, c'est pas simplement une infrastructure, c'est un lieu de création dans lequel on va pouvoir non seulement créer notre podcast qu'on fait maintenant depuis 10 ans et qu'on va continuer à faire, mais créer également des nouveaux contenus. On a besoin d'environ 16 000 $ canadiens. C'est le minimum pour finalement offrir du contenu francophone de qualité sur un sujet qui, de toute façon, n'est pas couvert ici. Alors, si ça vous intéresse, si vous nous aimez, si vous nous appuyez moindrement depuis une couple d'années, ben, on vous invite à donner. Et c'est grâce à vous qu'on va passer à la prochaine étape. Merci. Alors, si vous voulez plus d'informations, mystérieuxétonnant.com. Ce qu'ils veulent faire avec ce financement-là, c'est qu'ils veulent construire un studio pour leur podcast et créer des vidéos là-dessus. Moi, je les supporte premièrement parce que c'est une de mes... c'est une de mes premières amours podcast québécois. C'est grâce à eux que j'ai découvert les podcasts québécois autres que le mien ou, mettons, Radio Talbot. Et en ce moment, ils sont rendus à 6 069 $. C'est quand même un bon pas, je te dirais. Mm-hmm. C'est très bon. Il en reste encore quasiment 26 jours, donc 25 jours. Je trouve que c'est génial. Allez supporter, vous pouvez donner 1$, 5$, 10$. Il y a plein de goodies que vous pouvez acheter avec leur là-dessus. Moi j'ai pris le fan ultime qui donne le droit à un t-shirt, une affiche encadrée, une clé USB et aussi les 400 épisodes sur une clé USB. Donc je trouvais ça vraiment nice. Wow. C'est la raison pourquoi que je suis content de faire la promotion. Benoît, il est super fin avec les accros. Je vous rappelle que eux, ils ont aidé accros lorsqu'on a fait Fildas. Ils ont fait la promotion Fildas sur leur podcast. Fait que je leur retourne un peu l'appareil avec la promotion de leur Kickstarter, leur Indiegogo. Donc, pour plus d'informations, mystérieuxétonnant.com. Là, ça jase beaucoup sur le chat. Là. Ça réagit énormément. Hein? Qui demande pourquoi qu'on le fait pas, nous. Pourquoi qu'on le fait pas, nous? Ben, on s'entend, on n'est pas aussi gros encore. Eux, ils sont rendus là-dedans depuis un bon bout de temps. On le fait sur Internet. Je ferais pas descendre Shadow à Montréal tous les mardis non plus. Je ferais pas descendre Cristal non plus. Donc, moi, c'est la raison pourquoi je continue à le garder sur Internet. Mais est-ce que je peux promener le podcast? Ça, je le peux, par exemple. Donc, je t'en dis pas plus, mais il y a des projets pour que le podcast aille à l'extérieur. Que j'aille rencontrer des gens. Absolument. Mm-hmm. Autre nouvelle, cette fois-ci, c'est... toi, tu joues-tu à Rocket League, Marc? Oui. Oui? C'est pas lui qui t'avait introduit à Rocket League, d'ailleurs, Big Ben? Rocket League, non. Je pense que c'est Guillaume. C'est-tu Guillaume? Moi, je pense que c'est Shadow. C'est Shadow? Tu vois Shadow?
Non, tu joues pas Mer Shadow, hein? De? À la Rocket League? Oui, je joue beaucoup. Ah, tu joues beaucoup? Ouais, c'est ça, tant que je peux, mais oui, je joue. Parce que c'est lui qui a fait les critiques sur le site des Acclaims. Ouais. C'est vrai. Fait que c'est de ta faute. C'est ta faute. Je te crosse tout mon jeu, là. Nos amis de chez Psyonix nous ont annoncé que la version, le mode basketball allait arriver officiellement en avril. Oui! J'ai très hâte de l'essayer. Mais je sais pas s'ils vont le laisser parce que, comme ils ont fait à peu près pour le hockey, il n'est plus officiellement là. Parce qu'il avait fait un mode hockey qui a comme un peu disparu. C'est seulement qu'on va dire local que j'ai vu qu'on pouvait jouer. Ils ont laissé la map, mais t'sais, ils ont été deux trois bébés. J'espère que celui-là, ils vont le laisser. Je sais pas s'ils vont le laisser. J'ai hâte de l'essayer quand même. Je me dis, ça risque d'être cool. Ça risque de faire quelque chose de différent, original. Mais quand même. Moi, j'avais hâte de l'essayer. Hey, en plus, j'ai essayé la Batmobile. Je sais pas si tu l'as essayé. Ouais, ça ressemble à la Batmobile sur la vidéo. Oui. Oui. Patrick accueille la Batmobile, évidemment. Oui. Donc, j'ai pas encore testé. Le feeling est différent. C'est pas comme un. Le char a sa propre logique. Là, pendant que vous voyez la pub, le maudit pub de merde. Arrête de fumer dans la face. Il fume dans la face, la petite fille, le méchant. Excusez. Ça m'arrive une fois de temps en temps, je m'emporte. Mais la Batmobile est maintenant disponible. Ça donne un premier look de la Batmobile. Moi, en tout cas, je conduirais. C'est pas ma préférée. J'aime encore mieux la DeLorean, à mon avis. C'est ce que j'allais te dire. C'est sûr que c'est la DeLorean qui est ton. La DeLorean est meilleure, selon moi. C'est ton doudou. C'est ton char fétiche. C'est pas mon char fétiche. Ah, ok. S'il aurait fait la Batmobile originale de Tim Burton, je pense que j'aurais plus apprécié, à mon avis. Ah, ok. Mais on s'entend quand même, c'est cool. Donc, si vous êtes des tripeux de Rocket League, je vous invite à regarder ça prochainement. Hey, une rumeur pour Borderlands 3. Really? Oui. Il y a une rumeur. Ok, on dit que c'est encore une rumeur, hein. Mais il y aurait une source anonyme proche de Studio Gearsoft qui aurait annoncé l'arrivée de Borderlands 3 pour l'hiver 2017. C'est loin un peu. C'est... Non, mais ils jouent safe, puis en même temps, ils font ça pour générer un intérêt, ce qui est quand même brillant dans un sens. Ouais, une fuite, en guillemets. oui, c'est sûr qu'une fuite, surtout pour une franchise populaire, va générer l'intérêt. Et moi, j'ai l'impression que Borderlands, c'était fini. C'était pas fini. Ça, il avait parlé qu'il en ferait d'autres. C'est juste que pour le reste de l'histoire, ils savaient pas trop quoi en faire. Fait que c'est pour ça qu'ils ont sorti le pre-sequel pour donner le Anglais 2, ce que le monde voulait. Et à partir de là, il y a eu le contrat avec Telltales. Mm-hmm. Oui. Fait que, qui est excellent pour l'histoire aussi. Ah, ça a l'air qui est bon, de ce que j'entends. L'histoire était 40 dedans. C'est sûr que le gameplay, ça reste un Telltales. C'est pas le meilleur côté gameplay. Mais, juste surtout pour l'histoire, habituellement. Oui, c'est ça. C'est super intéressant. J'espère juste. J'aimerais qu'il l'intègre au lore de base. Mm-hmm. Ça serait le fun aussi en même temps par rapport aux trois, parce que ça serait le fun de voir qu'est-ce qui serait arrivé avec eux autres. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir c'est quoi le nouveau personnage qu'on va avoir là-dedans. Ça, j'ai hâte. Parce que j'étais un petit peu déçu sur certains personnages qui reviennent souvent depuis les trois qu'ils ont fait. J'aimerais ça voir quelque chose de vraiment super original. Ouais. Écoute, je m'ennuie beaucoup de cet univers-là. J'adore l'univers comme, tu sais, dirt trash, mais en même temps comique qu'il y a dans Borderlands. Il n'y a pas ça dans les autres. Il y a très peu de jeux qui sont dans ce style-là. Hey, on va continuer avec les rumeurs. Vous aimez ça, les rumeurs? Bon, on aime tous les rumeurs. Ça fait plus questionner qu'une nouvelle confirmée. Puis une nouvelle confirmée, c'est ce que c'est. Mais une rumeur, tu peux spéculer. Puis tu peux en peu répéter aussi. Avez-vous joué à Saints Row? Ouais. Non. Saints Row, avec Crystal, je vais t'expliquer un petit peu rapidement le principe. C'est comme Grand Theft Auto. OK. Qui a pris du LSD. Quatre fois. Oui.
Style. Ok, 1, 2, 3. Tu sais, même Baller 3, là. C'est réaliste. Genre. Non, ça à partir du 2, c'est, ça devient. Ouais. Le 3, il l'est pas du tout. Non, non, c'est non vrai. Le 3, ils ont parti. Le 1 était super réaliste. Ouais. C'était un, pour moi, est un des meilleurs quand j'ai joué. C'est sûr que c'est rentré dans la mentalité. Le 2, j'ai perdu chose. Le 3, puis le 4e, ben, c'est. Non, regarde, ils ont je pense qu'ils ont crissé la logique dehors à cette affaire-là. Là. Ben, on s'entend-tu que, écoute, là, dans le 3, je pense que tu deviens président des États-Unis. Non, ça, c'est le 4. Dans le 4, il t'a des super pouvoirs parce qu'il faut que tu combattes contre des extraterrestres qui envahissent la Terre. Mm. Non, détruisent la Terre. Répétez. Et dans le 5, répétez, tu t'en vas en enfer. Oui, mais non. Viens de moi. C'est un DLC en guillemets, celle-là. Là. Mais oui. C'est, on s'entend, là. C'est fuck la logique, over 9000. C'est clair. Et tu, au début, tu étais juste un nouveau dans une gang de rue. C'est ça. Oui, quand même. OK, c'est oui, tu étais un petit nouveau dans une gang de rue qui a finalement réglé le problème. Dans le 3, c'est que c'est une gang de rue tellement rendue connue que c'est rendu, ils sont rendus célèbres et populaires. Fait que quand ils se font, ils volent des banques, le monde veut des autographes en même temps. À la fin, il devient président. Dans le 4e, il devient président. Ça vient à ce point-là, là. Fait que non, mais on parlerait d'une sortie prévue. On l'annoncerait au E3 2016. Donc, on aurait des nouvelles prochainement, je vous dirais en fin juin, début juillet. Et ce serait probablement pour le temps des fêtes. Je l'espère bien. Donc, ah, parce que j'avoue que j'ai hâte de voir la suite de l'histoire qui était quand même assez drôle. C'est du pur divertissement. Il essaie de faire copier. De copier le modèle de Grand Theft Auto, mais en même temps, ils ont comme fait ouais, ça. Ils ont voulu faire ça avec Saints Row 1 qui a bien marché. Ils ont voulu faire un petit peu quelque chose d'original avec le 2. Puis ils ont vu que le côté humoristique a pogné, puis ils ont dit on y avait une chance de se débarrasser justement de ce côté Grand Theft Auto-là. Fait qu'ils ont sauté dedans, ils ont décidé on fait Grand Theft Auto, mais avec, on va dire, tout est permis. Ouais. Ce que vous pouvez pas faire dans Grand Theft Auto, vous pouvez le faire là-dedans. Autre rumeur. On annoncerait peut-être Red Dead Redemption 2 au E3. Je pense qu'il a été confirmé, lui. Je l'ai pas vu encore dans la confirmation. Moi, je l'ai vu confirmé. T'as vu confirmé, toi? Oui, j'ai vu ça passer. Que c'était confirmé. Vu encore là, des confirmés, ça peut être des rumeurs en même temps, regarde. Oui, des rumeurs. Qu'est-ce que t'as dit, antithèse? J'ai vu en tant que rumeur également Red Dead Redemption 2. Si on a des âmes charitables sur le chat qui veulent aller voir si c'est confirmé ou pas. Ce serait appréciable, mais on s'entend que c'est quand même un succès, Red Dead Redemption, le premier du nom, et de voir que Rockstar décide de se lancer dans cet univers-là, c'est intéressant. Reste à savoir, est-ce qu'ils vont tout de suite vouloir garder encore le thème cowboy, parce que le dernier, il se passe en quasiment 1909-1910, là, c'est comme... Dans la fin de l'époque. Ouais. L'époque du Far West. Je sais pas. Moi, je dirais à Prohibition. Après, Ben, le style de ça est vraiment Far West. Fait que je sais pas même pas si on va continuer avec la même famille. Je pense que ça va faire un peu comme un Grand Theft Auto. On va se retrouver dans une. Peu importe l'époque, juste dans une autre place. Mm-hmm. Avec quelqu'un d'autre. Donc, ils font un peu dans la tête chaque Grand Theft Auto. Ça reste à voir. Microsoft. Mais... Ouais, oui, vas-y. Oh. Mais j'espère juste qu'ils vont nous refaire le DLC de. Des zombies. Des zombies. Qui était un méchant gros DLC qui était excellent. Qui rajoutait, je pense, le double du jeu quasiment. C'était super long. Oh oui. Du DLC, ils t'en donnent en stock. Rockstar, ça, on leur donne ça, là. T'achètes un DLC, mais t'as du stock. J'ai jamais réussi à finir le DLC tellement qu'il était long. Puis quand même, en plus, ils ont mis une difficulté, justement, de survival dedans, là, qui a l'air super le fun. Mm-hmm. Prochaine nouvelle. Xbox qui a envoyé un sondage à ses fans, à ses propriétaires de Xbox One, où il demandait comme question, si on vous offrait la chance de pouvoir racheter vos jeux digitaux à un pourcentage de crédit de 10%, seriez-vous intéressé? Et là, je vous pose la question. J'avais pas vu le 10%, moi. Mais oui, ils veulent racheter, ils proposent de racheter des jeux à 10%.
OK, non, là. Ben, 10% de la valeur neuve ou 10% de la valeur qui est rendue? C'est un jeu dans nos dés. Fait que, mettons que tu achètes ton jeu 10$, ils vont te le déluter, de ta bibliothèque, puis te donner une pièce de crédit pour que tu achètes un autre jeu. Ouais, mais c'est ça, mais si. Est-ce que ça va. Tout dépend de que ça va marcher. Si ton jeu a 60$, tu le tiens 6$, déjà là, c'est dégueulasse un peu, à mon avis. Ben oui. Je mettrais un peu plus. Ben oui. Mais quoi, si il est à 60$, puis d'ici un an, il tombe à 40, quoi, ça va-tu être à 4$, tu vas avoir? Non, ce que je comprends, ça va être selon l'achat que toi t'as fait au départ. Pareil. C'est pour ça qu'ils mettent le pourcentage si bas, c'est pour la jouer safe, d'un coup, qui baisse. Mais là, il en parle. Là. Je sais pas si tu peux descendre un peu ta page. Là. Je suis pour ceux qui sont en train de le lire. Parce qu'ils parlent où se bronzeront sur le prix de lancement, puis tout ça, là, ça va le marquer. Fait que, on dit ici pour 10% de leur prix initial en crédit sur la boutique en ligne. Initial. Reste encore des questions, comme ils disent ici. Est-ce que ça va se baser sur le prix de l'achat compte tenu des réductions et promotions ou ça va être sur le prix de lancement? Ça, je suis d'accord. Il y a encore des questionnements ici. Si 10% c'est sur le prix d'achat, on va dire de lancement sans aucun rabais, jamais, exemple. C'est sur ça a 60$ qui a été lancé le jeu, tu as 10% là-dessus, puis peu importe le prix qu'il y a. Je suis d'accord avec ça, le 10%, même si je trouve ça peut pas. Mais si il y a une variation, j'irai à 25% minimum là, pour que ça vaille la peine. Là. Parce que 10%, c'est pas quelque chose qui va inciter ben les gens à se débarrasser de leur jeu. C'est une affaire digitale. Ils ont juste ça leur coûte rien juste de déliter les autres. Là. Ça leur fait rien. Là. Au pire, si tu leur veux ton jeu, tu as juste à le re-télécharger. Ou, si tu t'en es débarrassé pour mettons, des raisons d'espace ou whatever. Fait que. Tu sais, comme dirait même Shiryuki 9, en bas de 25%, c'est pas intéressant. Parce que c'est ça la différence. Contrairement, on va dire, c'est une copie physique. Ok, on donne 10%. Déjà, je trouve ça encore un peu bas, mais. Non, c'est plus parce qu'il faut qu'ils pompent, il faut qu'ils le revendent. Là, ils font juste te déliter de ta place. Fait que ça leur coûte rien. Ils ont pas d'obligation à partir de là. Fait qu'à partir de là, 10%, c'est vraiment très bas. Encore là, est-ce que c'est au prix de lancement, ça reste toujours au prix de lancement ever? Si oui, ça peut-être passer encore. Tu sais, vraiment, si t'as un jeu que ça fait quoi des années que tu veux plus, puis un peu Ubi Game, t'offres à peu près la même chose. Il y a ça, tu bébelles, mais tu sais, ça peut toujours. Ça reste quand même une ouverture qu'on peut pas dire non plus. J'ai juste précisé, Max Bouillou dit au moins il te permet de revoir du cash. Non, du crédit en magasin. Il y a une différence. C'est qui? Je pense à ce qu'il voulait dire en fait, Max. Ouais, c'est ça. Christine, tu commences à comprendre la joke. T'es bonne. Écoute, pour les rares fois, je peux parler pendant les news. Le trois quarts du temps, c'est toutes des affaires que je connais pas que vous parlez. Fait que. Ah, ben écoute. Mais ceci dit, est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Je pense que PlayStation aussi veut se lancer à faire ça. Et là, présentement, PlayStation, c'est les petits chiens suiveux qui sont en train de checker ce qu'ils font à Nintendo et Xbox là, qui essaient de suivre. Mais j'en ai une petite nouvelle vite faite en parlant de Xbox. Vas-y. Rumeur. Okay. Ça m'a parlé par rapport au nouveau jeu qui va sortir. C'est Quantum Break. Oui, Quantum Break, oui. Là, qui parlait aussi qui sortait sur PC, tout ça. Il y a une rumeur qui a été parlée que Xbox voudrait se lancer. Ça, c'est dans quelque chose que je trippe. Par rapport avec Steam, déjà, qu'ils voulaient intégrer Steam dans la console pendant un certain temps, je sais pas trop ce qui est arrivé avec on ça. On n'a pas une nouvelle encore là-dessus. Mais tu sais, je pense pas que ça serait dans l'intérêt à Steam d'une certaine manière, vu qu'ils veulent vendre leur Alienware et toute la petite console à part. Là. Ce qu'ils avaient parlé, c'est que avec Steam, en accord avec Steam, si ça marcherait, en accord avec leur affaire PC, on achète le jeu sur Xbox, tu l'as aussi sur PC maintenant. Tu aurais aussi la version PC en achetant la version Xbox. Oui, j'entends parler de ça, puis apparemment, ça c'est les avis, les réactions sont très partagées. Oui, j'ai même été surpris. C'est crosseur, donc ils trouvent une bonne idée. Moi, je trouve ça super correct. Comme ça, tu as les deux versions. Mm-hmm. À partir de là, vu que c'est de la même compagnie, on parle surtout les jeux vraiment Microsoft qui passeraient là-dessus. Là. Ce serait peut-être pas tout. Mais... Ah, il y a Max Bolu qui dit que ça serait confirmé par rapport à... Ben, je parle pas de la version PC. Est-ce qu'ils vendraient les jeux plus chers à ce moment-là? C'est surtout ça la question. C'est parce que tu te ramasses, t'as comme... Encore là, ça ne disent pas, mais je pense pas qu'ils pourraient se le permettre de le vendre plus cher s'ils proposent ça. S'ils commencent à faire ça, ils vont juste perdre leur monde.
sont pas assez fous pour faire ça. S'ils proposent de quoi, au moins pour que les deux aillent, parce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent en même temps de faire ça, c'est d'aller chercher la communauté PC en même temps. Comme ça, tu peux l'avoir sur console, c'est réglé, t'as les deux avec la version digitale. Mais ça, c'est uniquement pour les versions digitales, ce n'est pas pour les versions physiques. Ben, sûrement, si tu l'installes, ça doit être dans ça. Exemple, tu as la copie via Xbox. Maintenant, j'ai pas l'Xbox One, mais je sais qu'il faut installer ça sur Xbox. Ils doivent le détecter que tu l'as. Oui, avec c'est Steam, sûr. Si tu as lié ton compte. Si, exemple, ça marche avec Steam comme que c'était supposé faire, comme que j'ai entendu aussi, tu l'installes comme là-dessus, ça va s'intégrer à Steam. Ça va juste, tu vois rien qu'à l'avoir téléchargé sur ton ordi aussi. Ben, c'est un peu le même principe que déjà sur Steam, on peut intégrer d'autres jeux PC qu'on a d'installer, puis il apparaît dans ta banque de jeux. C'est juste que tu peux pas acheter sur Steam. Ah, c'est ça. Il y a bien des affaires comme ça que tu peux faire. Mais là, ils veulent l'intégrer aussi avec Xbox. Ce que moi, je trouve être une excellente idée. Ça serait fort intéressant. Surtout pour les personnes, mettons, qui... Moi, je suis pas de même. Moi, je m'en vais juste sur un PC. J'upgrade un PC. Je vais pas avoir d'Xbox 3, Xbox One. Mais, mettons, quelqu'un qui a les deux, c'est pas mal avantageux d'avoir une copie sur le PC, une copie sur Xbox One. Mettons, si ton Xbox One est out parce que, je sais pas, ta blonde est sur la télé, ben, tu peux aller sur ton ordi puis continuer la game. Ça serait intéressant. Ben oui, absolument. Le meilleur exemple que je peux donner, ce qui m'est arrivé dans le temps, on parle des jeux à la Call of Duty ou Battlefield. Mm-hmm. Exemple, ok, ben finalement, t'as des amis, ben j'ai rien sur PC, l'autre juste sur console, mais tu peux aller te promener ces deux, t'as pas obligé d'acheter deux copies complètes. Ouais. Puis de tout perdre, t'aurais tout ça en un. Mm-hmm. Mais pour des affaires de style online, ça serait juste idéal pour ça. Mm-hmm. C'est sûr qu'il n'y a pas tous les jeux qui peuvent s'aller sur Xbox, tout ça, mais tu sais, ceux qui sont Xbox PC, ce serait vraiment le fun. Mm-hmm. Surtout que là, présentement, avec Rocket League qui s'en vient dans pas long sur Xbox, ça va être le premier jeu qui va être cross-platform sur toutes les plateformes. Oui. Fait que là, le monde commence à être un peu ouvert. C'est ça qui commence à être intéressant. Mm-hmm. Hey, autre nouvelle, puis ça, je suis content. C'est un jeu que j'attends avec impatience pour l'année prochaine. Puis si mon ordi est capable de le rouler, je vais être fou comme la marde. C'est le prochain Batman fait par Telltale Games. Oui, on a eu des nouvelles. Je pense que ça fait deux semaines, trois semaines qui parlent de ce projet-là. Mais là, ça serait quoi les nouvelles que tu vois? C'est le cycle. Il parle du cycle de jour ou nuit dans le jeu. OK? Le jour, vous allez jouer Bruce Wayne. Et principalement, vous allez avoir des situations où Bruce Wayne va devoir faire des décisions. Et ces décisions-là vont s'impacter dans la vie de nuit de Batman. Et vice-versa. Donc, les décisions que Batman va prendre la nuit vont impacter la vie de Bruce Wayne le jour. Ah, curieux. Ça, nouveau c'est style ça, de gameplay, genre de voir. Non, je pense plus de fidèle à Telltale. C'est le principe de... Tu prends une décision qui influence le courant de l'histoire qui s'ensuit. Mais si elle parle de la façon qu'elle en parle, ça va être plus influencé parce que... Il y a bien des bébelles que j'ai remarqué que elle dit que ça influence, mais ce que tu fais revient toujours quand même à la même chose pareil. Un peu avec Telltales, là, que j'ai vu. Mais là, si c'est vraiment le jeu est basé sur ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'avoue que je suis super curieux. Puis, ce que j'aime aussi, vu que c'est un jeu de Telltale Games, c'est un jeu d'enquête. Batman, il est reconnu pour être le plus grand détective. Effectivement. Ouais. Hein? Fait que c'est bon, parce que depuis genre une couple de jeux de Batman... L'aspect détective, il n'existe pas vraiment. Ou même dans les films. Je sais pas si tu peux antithèse me dire ça, ou même Max. C'est pas. C'est un passage. C'est pas la trilogie de Nolan qui fait que c'est un détective vraiment. C'est pas non plus Tim Burton tant que ça. Rendu là, je suis obligé de dire que c'est Adam West qui a plus exposé l'aspect détective de Batman. C'est dommage. Parce Adam que West! C'est dommage parce que le personnage, c'est un génie. Là. Batman, Bruce Wayne slash Batman, grâce à sa richesse, d'accord, mais haute sa richesse, ok, il est calé, là, il connaît sa science, il connaît sa physique, il s'en sert justement pour des enquêtes. C'est comme ça qu'il réussit à résoudre des mystères comme qui étaient sinon quasi impossibles. Les comic books,
donner une crédibilité à cet aspect de Batman qui, effectivement, est même réclamé pour les gamers. Mm-hmm. Mais tu vois, Max Beaulieu qui dit que dans la BD sur laquelle la série de Dark Knight Return, la Dark Knight était basée, il était pas tant détective. D'accord, je suis d'accord avec toi, Max, mais ça fait du bien de retourner aux sources, là, de la même du dessin animé des années 90. Batman, il enquêtait énormément dans la série des années 90. Oui, ça créait un suspense qui était nécessaire, que il y aurait avantage même dans les jeux. Peut-être, comme tu dis, peut-être qu'on va avoir ça dans le Telltale. Peut-être. Je croise mes doigts. Je l'espère fortement revoir un côté plus détective. Puis, tu rajoutes juste un peu d'action. Tu rajoutes juste une petite coche. Ouais. C'est un mix parfait, après. Tu sais, regarde Walking Dead, je sais pas si vous avez joué Walking oui. Dead sur PC. Non. Ou PlayStation 3, PlayStation 4, oui, ou whatever. Mais vous avez quand même de l'enquête pareil, mais lorsqu'il y a de l'action, vous tapotez votre piton parce qu'il est maudit que vous voulez sortir de cette situation-là. Fait que reste à voir comment ils veulent jouer les systèmes de combat, mais ça peut être fort intéressant. Et chez Oki9 qui dit « Batman The Animated Series was the best! » Je suis d'accord avec toi. Crystal, t'es d'accord avec moi? Oui. Mais j'ai beaucoup aimé la vieille série, moi, des années 60-70. L'Adam West? Ça oui. avait son charme. C'était con, mais ça avait son charme. Ouais, moi, je suis kitsch, fait que moi, j'ai adoré ça. C'est correct! Hey, c'est numéro 1! C'est awesome! Si on voulait avoir du Batman auparavant, il y avait juste ça. C'est ouais, ça, ouais. Puis je pense qu'ils ont quand même, tu sais, je veux dire... Pour l'époque qu'ils ont fait ça, ils ont réussi à prendre une formule puis rendre ça assez catchy pour que ça a quand même duré longtemps, la série, là. Oui. Puis... Parce que Adam West et Burr Ward avaient énormément de charisme à l'écran quand ils oui. qu'ils fassent Bruce Wayne et Dick Grayson respectivement, là, c'est ou Batman et Robin, là. Puis, honnêtement, pour les avoir revus dans un Comic-Con, je me souviens plus quand, parce qu'ils ont été invités souvent à Montréal. Oui. Ils ont encore ce charisme-là. Ils ont encore dans le visage cette espèce de passion qu'ils avaient parce qu'ils s'amusaient, là. Puis ça, pas juste eux autres. Tu voyais, tous les acteurs s'amusaient comme des fous dans cette série-là. Ils prenaient à cœur leur personnage. Puis je pense que c'est qu'est-ce qui a fait un des succès de la série aussi. Mm-hmm. Mm-hmm. Et la dernière nouvelle que j'ai, je vais la dédier à quelqu'un que j'aime beaucoup. Que je sais qu'il va apprécier la nouvelle. Et c'est Max Beaulieu. Qui? Max Beaulieu. Qui est ce Max Beaulieu? Ben, c'est un ami cher aux accros des jeux. C'est aussi un mème. Mais je pense que tu aimes aussi Adventure Time. Qui ici qui aime Adventure Time? J'aime ça, mais ça fait un bout, j'ai pas écouté. Pas moi. On vient d'apprendre. OK? Puis là, c'est une nouvelle cotée 18 ans et plus. Ben... Veux-tu vraiment dire ça sur le podcast? Ils viennent de sortir un porn spoof d'Adventure Time. What? Ok, non, mais il me semble que moi je suis surprise que ça n'existe pas déjà. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire, là. Tu sais, je veux dire, honnêtement, c'est-tu vraiment une nouvelle? Ou c'est juste qu'ils en ont sorti une de façon officielle? Parce que c'est sûr qu'il doit déjà exister des images là-dessus à partir du moment que la série est arrivée. Règle 34. Oh, il écoute même pas Adventure Time. Oh. Menteur! Colin. C'est menteur, Beaulieu. même ton nom me dit que t'es un menteur. Oh, mais là, on a un autre menteur. Zero Lag qui dit que j'écoute même pas de porn. Hey. Je suis sûr que le petit Bakou, quand il était petit, il en écoutait. Et petit, hein? T'sais, quand il était tout petit. On parle de... Il avait quoi? 17 ans? 18 ans? Là 7 ans ou... Ou il avait 7 ans? Non, pas ça. Ouais. Non, à 7 ans, je pense que non. Là. Je pense qu'à 7 ans, tu commences encore à définir c'est quoi le devant et le derrière de tes bobettes, là. Ouais. Je veux dire... Mais bon, il y a de la pointe partout. Et même dans les affaires les plus fuckies qui s'appellent Adventure Time. Mande-moi pas pourquoi. Je comprends pas. Mais juste pour vous dire, Baku et Max, je vous aime fort. Je vous aime tout le monde. Et je pense à vous. Alors,
c'est tout pour les nouvelles cette semaine. Je pense bien de mon côté. Est-ce que, ben, rapidement, est-ce que ça vaut la peine de faire une nouvelle sur Nintendo qui officiellement ont annoncé qu'ils ne feraient plus de Wii U? C'est vrai, j'ai oublié ça. Je pensais que tu regardes ça pour un autre moment, whatever, parce que c'est quand même une grosse nouvelle. Mais qui en même temps est pas surprenante. On s'y attendait. Non, mais ils doivent en avoir fait déjà 50 entrepôts pleins, fait que. Le temps qui passe. Hey, juste pour vous dire, Best Buy ont encore des Wii rouges. Oh, ouais, c'est une Wii bleue. Ils ont sûrement arrêté justement parce qu'il y en avait beaucoup trop. Puis... Une Wii bleue. Ouais. Oh, wow. Comme bleu ciel, là. Oh, oh wow. Je mais l'ai ça... eu en cadeau parce qu'elle était bleue. Vraiment, là, c'est la seule raison pour laquelle j'ai une Wii, c'est parce que je l'ai eu en cadeau puis que la personne a fait genre, ah, oh, elle est bleue, je vais l'acheter à Crystal. C'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai une Wii. C'est tellement une bonne raison. Mais ceci dit, ouais, la Wii U, malheureusement, console qui est, on l'a souvent dit dans le podcast, ça peut être une console mal marketée. Marketing n'est pas un terme, je le sais. Ça a été mal publicisé. Et certains parlent, dont un de nos collègues, Jug, que peut-être c'est ça qui officialiserait que Nintendo va annoncer pour la NX cette année au de Comic-Con, mais c'est plus le E3. Ben écoute, la NX va probablement s'en venir cette année, je suis pas mal certain. Reste à voir de quoi ça va avoir de l'air. Avec l'annonce que la console Wii U ils vont cesser les fabrications. Ah, ça va être. Ben, je regarde, c'est certain qu'ils vont sortir de quoi c'est la NX. Même, je suis même prêt à vous annoncer officiellement que la date de sortie de la NX, selon moi, va être la dernière semaine d'octobre. En 2016 ou 2017? 2016. Les ça va être super. En plein le temps pour que les gens achètent des cadeaux de Noël. Oui. 21 ou 28 octobre. Moi, je te dirais peut-être plus 2017. Je trouve que c'est un peu trop tôt. Habituellement, ils en parlent bien plus que ça avant. Ça arrive dans la même année. Ouais, mais, pour eux, la Wii U était un échec total. Fait que qu'est-ce que tout business, soi-disant légitime, ferait pour justement que tu oublies un échec? Ben, c'est de sortir le nouveau produit le plus vite possible pour que tu oublies ton soi-disant ancien échec. Ouais, mais j'ai des doutes encore. Je trouve ça un peu tôt. On verra bien. On verra bien. Ben, moi, je dirais que c'est comme le bon temps. Pour eux, les ventes de Wii U vont pas bien. Ils ont vendu la moitié de Wii U comparé à des GameCube. Oui, il y a certains jeux qui réussissent à vendre énormément. Là. Je pense à le succès de Splatoon au Japon, qui c'est fou. Là. Quand je joue à Splatoon, j'affronte juste des Japonais. Là. Et j'ai... Il y a pas, Mario Maker aussi qui a... Mario Maker qui est bien sorti. Il y a plein de jeux des first party qui sortent bien, mais selon moi, une constante, ça manque. C'est ça le problème, Ben. C'est surtout les first. Il n'y a que des jeux de first party. Dans la mesure, il n'y a pas tant de jeux de third, puis les développeurs, ça les fait chier de programmer pour la Wii U. Autant que ça les faisait de programmer pour la GameCube, apparemment. Ben oui, parce que supposément, les mécanismes pour programmer, il est difficile. Il est plus complexe à Wii U. Écoute, quand tu poses une question à la personne qui s'occupe de ton développement de la console, puis que ça prend 2 semaines pour recevoir une réponse, ça va mal. Oui, ça va très mal. Je repense à nos amis d'Ubisoft Montréal qui ont broyé en faisant des jeux à Wii U. C'est Ubisoft. Oui. Fait que, non, c'est... Ben, écoute, moi, je vais attendre les nouvelles de la NX, mais j'ai très hâte de voir de quoi ça va avoir de l'air. Mm-hmm. On parle d'une manette écran, donc avec seulement, genre, 2 boutons et un écran tactile. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir de l'air. Mais, why not? On va voir ce que ça donne. C'est déjà un prototype en passant. C'est Oh, regarde, la manette risque de changer jusqu'à 10 minutes. À partir de là, ouais. Hey,
Merci beaucoup. On va parler de notre sujet du jour. Je pense qu'on avait hâte d'en parler. Et Cristal aussi qui a hâte de jaser. Fait que je vais commencer avec toi, Cristal. Cristal! Tu peux maintenant jaser. Oui. Cristal. Oui. Jase. Est-ce que tu aimes Steam? Oui. OK. PL, est-ce que tu aimes Steam? Oui. Écoute, au début, non, mais à cette heure, je trouve que Steam, c'est une très bonne chose. Mm-hmm. Et toi, Shadow, est-ce que tu aimes Steam? As-tu vraiment besoin de me le demander, moi? Question rhétorique. Ben, je peux trop te poser la question, est-ce que tu aimes la porn? C'est toi qui décides, là. En passant, Shadow, il y a un chandail qui est marqué dessus « Fuck Steam, à vie ». Hein? Shadow, un chandail qui est marqué dessus « Fuck Steam, ben oui, ben oui. Ben oui, c'est toutes mes critiques, je parle de Steam, mais non, non, je déteste. OK. Fait que, racontez-moi votre relation à amour, votre relation amour-haine de la Steam. Je vais commencer avec Antithèse. Je pense que pour être fair, parce qu'on a tous une relation amour avec Steam. Oui, mais auparavant, c'était pas la même chose pour moi. Toi non plus, hein? Ça m'a pris du temps à aimer Steam. Donc, je vais raconter mon histoire. On verra après si c'est pour les mêmes raisons que toi aussi, t'as une relation amour qui est tombée en amour. Pour mettre en préambule, moi, je suis pas un PC gamer, parce que le problème que moi, j'aime pas du principe des PC, c'est que t'as un nouveau jeu qui sort, puis ils sont pas capables de s'optimiser avec ce qui est des fois des ordinateurs un petit peu légèrement désuets. Non, faut toujours que t'ailles le meilleur ordinateur, donc faut toujours que t'ailles... Vraiment, c'est comme un petit peu l'élitisme qui peut profiter de jouer au dernier jeu, puis progressivement, les jeux deviennent de plus en plus demandants. Fait que, tu sais, c'est pour ça que pour moi, un jeu de PC, c'était... OK, non, c'est pas fait pour moi, c'est pour... Donc, je me suis console. Ce qui a amené à Steam, au départ, c'était des... C'était effectivement le trésor, la caverne d'Alibaba pour les jeux PC. Au même mécanisme, c'était eux qui ont commencé la mode du digital. La possibilité que le futur, c'est sur le digital. Moi, en tant qu'actionneur, ça m'a comme même insulté, mais tu sais, j'ai pris ça qu'un grain de sel, on s'entend. Mais là, Steam, en même temps... Ils vont t'arriver avec des spéciaux. Ils ont même permis à des développeurs indépendants de se faire connaître. Oui. Là, tu te rends compte que Steam, c'est quand tu acceptes de suivre l'évolution, c'est devenu une très bonne chose. Effectivement. Puis Steam, c'est quand même grâce à Steam, si je peux occasionnellement, même si j'oublie toujours de le mentionner, jouer à Ease Origin, à Axiom Verge. Si me fait chier, c'est qu'Axiom Verge va sortir sur PS4 puis Xbox One, je pense, d'ici la fin de l'année. Mais pareil, originalement, c'était un jeu sur Steam. Puis moi, c'est aussi que j'aime aussi aimer de Steam, qui m'a comme plus, de plus en plus surpris de Steam, c'est naturellement. C'est les spéciaux. C'est pas juste une saison qu'il y a des spéciaux. C'est fréquemment il y a des spéciaux sur des jeux intéressants. Mm-hmm. Et c'est le principe du green light. Le green light aussi, même si t'as eu des trucs de marde sur le green light, ben au moins c'est justement ça. Tu pouvais arriver et dire non, ce jeu n'est pas intéressant, mais merci de te faire connaître. Je t'avoue que, tu sais, on va répondre à Keishi, parce que Keishi, elle disait que c'était tellement faux, un ordinateur valable va jouer au jeu de façon très efficace pour un bon 4-6 ans. C'est pas ça le problème que je pourrais dire, je peux y répondre, justement, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Le problème, c'est que, contrairement à une console, tu prends la CD, tu sacs ça dedans, c'est réglé. De l'installation maintenant avec la nouvelle bébé, mais c'est réglé. Présentement, sur Steam, j'ai au moins 4 à 5 jeux que je ne peux pas jouer parce que ça prend pas les configurations qu'un PC normal pourrait avoir. T'as pas le bon driver. C'est normal, Shadow.
Tu sais, c'est ça, mais tu sais, ah, ben, il faut tel driver, il faut DirectX, il faut tel bébelle. C'est, oui, on joue les jeux de façon optimale, mais souvent, il y a plein de petits bébelles qu'il faut que tu t'améliores. Dernière mise à jour du driver, de ta carte graphique, dernière bébelle. C'est beaucoup plus compliqué de jouer aussi. Mm-hmm. Fait qu'il y a des fois que c'est plus plate pour Steam, parce que justement, j'ai deux jeux que je peux pas jouer, puis je ne sais vraiment pas pourquoi, ils font juste pas allumer. Parce qu'il y a quoi que je n'ai pas dans mes bébelles. Et ce qui est plate, c'est que justement, c'est la simplicité justement par rapport à la différence. Mais c'est sûr qu'on joue de façon plus optimale aussi. Non? Puis toi, est-ce que c'est un problème que tu éprouves souvent, Cristal, concernant quand tu veux acheter des jeux, tu regardes les graphismes, tu dis « Ah, oh, je suis capable, je suis pas capable. » Moi, sérieusement, là, c'est du chinois pour moi. Ah ouais? J'ai aucune idée de toutes les configurations que ça prend. Pendant plusieurs années, j'ai joué à des jeux que... c'était des vieux jeux, donc j'avais pas de problématique de configuration parce que c'était des jeux qui roulaient très bien sur l'ordinateur que j'avais à ce moment-là. Et c'est un ordinateur que j'ai traîné longtemps et que j'ai traîné mes jeux très longtemps. Faut dire que je joue pas beaucoup de jeux de plateforme ou de shooter, donc peut-être que les jeux que j'ai sont des jeux moins demandants. Fait que d'après moi, j'ai pas énormément de lag ou de choses comme ça. Il y a certains jeux que j'ai qui ont des lags, mais je pense que c'est plus par rapport à, bon, par exemple, Minecraft, je lag dessus, mais je pense que c'est à cause de tout le lot, de tous les modpacks qui sont rajoutés qui fait qu'il y a des lags, parce que je joue dans un mode custom. Donc, probablement, c'est ça. Mais sinon, je joue à certains autres jeux que je joue à des MMO sans aucun problème, puis... T'sais, j'ai pas de lag, puis j'ai peut-être pas les top configurations, mais je joue plus que moyen, puis j'ai pas de problème. Mm-hmm. Pour finir à répondre à la question, je vais dire non. OK. On parle-tu de jeux, parce que le podcast du jeu, c'est nos jeux préférés sur Steam? Mm-hmm. À qui je commence? Avec Shadow, parce que je serais curieux de savoir c'est quoi... Tous les jeux qui s'accumulaient et dont qui a profité des spéciaux justement et qui ne joue pas. Ben, je voudrais que je vérifie, mais présentement j'ai 191 jeux dans ma liste. Et sûrement il y a une grosse partie que j'ai pas joué dessus. Je sais qu'il est marqué sur Steam, mais j'ai aucune idée. mais il y en a dans mes préférés. Je vais citer. On sait toutes laquelle que je vais dire en premier. Attends. Ça a-tu rapport avec des rockets? Hein? Ça a-tu rapport... Moi, attends, c'est-tu... Space Engineer? Oh! Oui, ça reste dans mon top 1. Ah! Son Maud, top 1, il y en a beaucoup de jeux dans son top 1. Oui. C'est... ça reste dans le top 1. Écoute, t'as pas d'autre choix. C'est ça, c'est ça. Un top 1, t'as un top 1. Ouais. Non, j'en ai plein surtout. C'est juste que justement, avec tous les spéciaux que moi j'ai pas mis, il y a bien des jeux que j'ai jamais joués. Mais ça, c'est une affaire aussi qui est le fun, c'est que ça les garde en bibliothèque pour pouvoir télécharger quand on veut. Oui. C'est un que je joue beaucoup ces temps-ci parce que c'était à peu près le seul jeu que ma carte graphique me permettait de jouer. Depuis certains temps, c'est War Thunder, mon petit MMO de la Deuxième Guerre mondiale que j'adore. Rocket League, quand que j'ai pu. Comme c'est facile de jouer avec tout le monde. Cross-platform, encore là, on pouvait jouer avec le monde de PlayStation. J'en ai beaucoup trop pour en parler présentement. Mais surtout, ce que dans la plupart des jeux que je remarque, c'est surtout des jeux en bêta ou early access que j'ai pu aller tester. Justement, qui était une des rares places qui faisait une grosse amélioration, justement, Steam, qui permettait des jeux early access pour aider les compagnies, justement, au développement. Pas tuer des jeux, des fois, le coût de production, ça coûte cher. Fait que quand tu es capable de sortir de quoi en early access, puis tu fais en sorte que tes joueurs, ben, ils peuvent rejouer. Plus le jeu avance, plus ils sont capables de jouer. Je trouve ça une formule intéressante. Il y avait une formule qui était sortie au début de Steam, justement, du early access, qu'un seul jeu a fait. Ou peut-être plusieurs que j'ai pas vu passer, mais un seul jeu. Et j'ai trouvé ça poche que les grosses compagnies ne l'aient pas fait. C'est sur Arma 3, okay. Qui est un jeu quand même assez connu. La plupart connaissent tous tous les affaires de même. Arma 3 a décidé de faire un early access de leur jeu.
Fait que quand ils ont sorti le alpha, pour justement voir avec la communauté comment que ça voulait être, mm-hmm. ils ont sorti le jeu complet, ben le alpha, à 19$. À bêta, ils l'ont augmenté. Puis à fin de ça, version originale, à la fin, ils ont sorti le jeu au plein prix normal. Fait que si tu les avais aidés au développement, tu les avais bien payé, j'ai payé juste le jeu 20$. J'ai aidé au développement, j'ai acheté le alpha, j'ai acheté avant que le jeu sorte complètement, mais j'ai sauvé 40$. OK. Sur les indépendants, je comprends qu'ils peuvent pas faire la même chose vu qu'eux autres, ils ont pas d'argent de base quand même. Mais j'étais quand même triste que la plupart des petites compagnies, les grosses compagnies, aient pas fait ça aussi. Pour certains jeux, justement, il y aurait peut-être bien des jeux qui auraient peut-être mieux sorti, justement. Mais t'aurais pas peur que certains jeux, mettons, si la compagnie voit que ça marche pas, ils lâchent au beau milieu de la production? Il y a pas vraiment de jeux qui l'ont... Ben, en gros, ça serait pas dans leur sens, parce que même s'ils voient que ça marche pas dans leur départ, ils ont l'argent de base de peu, et ils vont avoir un petit peu d'argent puis un peu d'aide de la communauté, savoir ce qui bug et ce qui bug pas. Puis ils vont sortir leur jeu de base. Des jeux indépendants, je l'ai vu beaucoup abandonner, mais pas pour les mêmes raisons. OK. Je vais aller du côté de Crystal, parce que Crystal est comme moi, elle aime beaucoup les jeux de gestion. Fait que j'ai hâte de savoir, c'est quoi tes jeux de gestion que c'est t'as? C'est quoi mes jeux de gestion? Ben ouais, c'est ça, faut savoir, j'ai... Moi, parce que là, lui, il s'est vanté avec ses 100 quelques jeux, là. Que moi, j'en ai 51 présentement. OK, ben... De jeux. Je suis vraiment une joueuse PC. En fait, de tous mes jeux que je joue activement, il y en a juste deux qui sont pas dans Steam. C'est Minecraft puis Final Fantasy XIV. C'est les deux seuls qui sont pas dans Steam. Tous les autres jeux que je joue sont dans Steam. OK. Le fait d'avoir acheté des bundles a beaucoup. Oui, il y a un beau bundle. Oui, oui. Donc, j'ai des bundles de Mumbo Jumbo. Fait que j'ai énormément de jeux, de petits Luxor, Little Farm. Luxor, je pense que j'en ai 7 différents. Seven Wonder, Penguin Journey. Il y en a que j'ai jamais joué là-dedans. C'est vraiment très drôle. Sinon, je vais avoir des jeux de simulation, par exemple Spore. Que je joue occasionnellement. J'ai pas accroché énormément, mais j'ai trouvé intéressant le principe que t'es une bébite bactériologique puis qui fait l'évolution. Donc ça, j'avais quand même trouvé ça le fun comme principe. Mais sinon, dans mes jeux de simulation, c'est vraiment The Guild 2, qui était un jeu que j'avais autrefois sur CD. Et que j'ai... dans le fond, j'ai pas racheté le même jeu. J'ai racheté une expansion qui ont sorti. À la base, c'est un jeu allemand. Okay. Donc, c'est vraiment très drôle parce que des fois, les traductions sont un petit peu mal faites. Et t'as des affaires, des fois, avec des pop-up dans le jeu. T'as un beau parchemin avec des titres puis tout ça. Puis à un moment donné, t'as écrit en gros, en caractère gras, « Ceci ne doit pas apparaître à l'écran ». Il y a des perles comme ça là-dedans dans le jeu. Je trouve ça adorable. Okay. Il existe plusieurs versions. Moi, c'est la version Renaissance que j'ai trouvé qui est la dernière expansion qu'ils ont sorti. Mm-hmm. Ils sont en train de préparer la semaine passée, justement. Ah, moi, j'adore beaucoup. Écoutez, pour résumer comment le jeu est, c'est un peu comme si vous prenez le jeu Les Sims. Donc, vous créez un personnage qui a une des quatre classes. Donc, la classe voleur, la classe lettré, qui va être tout ce qui est les églises, la magie, puis ces affaires-là. Vous avez la classe producteur, qui va être, bon, les fermes, l'élevage et les auberges. Et la classe artisan, qui est, bon, finalement, toutes les ressources transformées. Et suite à ça, ben, vous avez justement des statistiques comme le charisme, comme constitution, une dizaine de statistiques que vous pouvez augmenter, ce qui augmente votre niveau. Et selon votre niveau, ben, vous pouvez augmenter les bâtiments. Ben, c'est un jeu de gestion, donc vous avez des bâtiments que vous pouvez construire ou acheter qui sont disponibles. Et après ça, ben, il y a aussi tout le système politique. Donc, vous pouvez décider dans la ville dans laquelle vous êtes que vous allez essayer de monter en politique. Donc, le jeu est très élaboré parce que là, vous pouvez décider de faire des mariages, avoir une progéniture qui, elle, va peut-être étudier dans une autre classe que la vôtre. Donc, à ce moment-là, cette personne-là va pouvoir avoir accès à des bâtiments différents. Donc, à ce moment-là, par exemple, si vous avez producteur, puis après, vous avez artisan pour votre enfant, ben vous pouvez faire les ressources premières pour les bâtisses de l'autre, tu sais, etc. Donc, c'est vraiment un jeu de gestion où j'ai des centaines d'heures d'accumulées sur ce jeu-là parce que, justement,
tu peux, même, il y a des modes de jeu que tu peux dire, mettons, atteindre un certain, le jeu fini quand tu as un certain montant ou quand tu atteins tel poste politique. Moi, je joue en Endless, fait que je peux me ramasser à la 8e génération avec un titre, parce que tu peux acheter des titres, donc tu commences citoyen de base, mais là, je me ramasse jusqu'à baronne, puis là, ben, je peux avoir 40 bâtiments, puis ça augmente de plus en plus. C'est vraiment un de mes jeux de gestion favoris, c'est vraiment celui-là. Nice. Antithèse de ton bord? Tu sors, c'est quoi les jeux que j'ai? Oui, ou les jeux que t'aimes, là, les jeux que tu suggères. Là. Dans tes préférés. Là. Ouais. Honnêtement, j'ai déjà mentionné, ce serait Ease Origin, qui est un jeu qui est autant graphiquement fascinant, qui est autant une très bonne trame sonore, qui a un gameplay génial. Écoutez, le jeu fidèle à la série se joue en 5 difficultés, de très facile à très dur. Ou sinon, il y a Axiom Verge, qui est un Metroidvania gothique cyberpunk, si je peux dire ça comme ça, qui est également très fascinant. Malheureusement, contrairement à Shadow, à le reste de la gang, je suis pas très PC gamer. T'as le droit, tu sais. Non, je juge pas. Pas PC gamer. Quoique. Ouais, quoique. je recommande sans conteste Axiom Verge, qui était un petit peu cher, mais quand t'as commencé à jouer, je vous rends compte, oh wow, maintenant je comprends. Puis même chose pour Ease Origin, mais encore là, faut aimer les styles RPG / Legend of Zelda. Malgré que dans Ease, il a intégré un personnage magicien qui, lui, vous rappellerait les shmups. Ok. Intéressant. Mon bord, écoutez, il y en a tellement des bons petits jeux qui sont sortis sur Steam. D'abord, j'ai pas le 150, 160, combien que t'as, Shadow? 191. J'en ai un petit peu moins, j'en ai 130. T'as un petit peu. Vous avez cette. Ça, je compte pas Origin, puis je compte pas JoJo aussi. Non, c'est ça, j'ai Origin aussi, j'ai même Ubi Play, que je déteste. As-tu GOG? Hein? As-tu GOG, JoJ? Non, j'ai pas acheté de jeu sur GOG. Je sais pas. Grim Fandango? Hein? J'ai Grim Fandango sur GOG. Ben, je vais probablement m'acheter quand je vais avoir une PS4. Ouais. Ce qui sera pas tout de suite. Donc, ça va prendre du temps, là. Mais, non, mais j'ai quand même 139 jeux. Puis, la plupart, ben, c'est des jeux d'enquête. J'aime beaucoup les. Je me suis acheté le bundle à l'époque de Telltale Games, qui m'a sorti une chier de jeux d'enquête. Par exemple, Back to the Future, il y avait Sam & Max, il y avait les Poker Nights. Donc là-dessus, je suis très content de les avoir. C'est des très bons jeux d'enquête. C'est même The Walking Dead qui était écœurant. Sinon, les jeux de stratégie, mon fameux. C'est tombé quasiment mon jeu préféré. FTL Faster Than Light, écoutez, j'ai 120 heures de jeu. C'est énorme. J'ai autant de slash play là-dessus que sur World of Warcraft. Ça va pas bien. T'as le droit, écoute. Oui, oui, regarde. Je me plains pas. Je suis très, très content de ce que j'ai joué. Sinon, je vous dirais les petits jeux même. Hey, Child of Light de Ubisoft Montréal. Je sais pas si vous y avez joué, là. Moi, Child of Light, ça me dit quelque chose. Child of Light, c'est un RPG sorti par Ubisoft Montréal. C'est comme un conte pour enfants que Tim Burton aurait décidé de faire, mais un jeu visuel qu'on appelle un jeu visuel, mais en même temps un RPG, c'est très très bon. Je vous le recommande, l'histoire est magnifique là. Ça m'a fait couler des larmes pour vous dire à ce point là. Oh wow, oui, à ce point là. Game Dev Tycoon, ça c'est un jeu qui s'est à la main. Ah, ça il faut que je me l'achète. Tellement il est tellement bon, j'ai refait le jeu comme 5 fois, de manière totalement différente. Oh non, mais lui, il est dans ma wishlist, je dois avoir 20 millions de jeux dans ma wishlist, là. Ouais, je dois avoir 25, puis c'est comme... j'y veux. Mais ça me fait penser, il y a un autre jeu que je joue beaucoup, oui. Qui est Reseteer.
Anitem Shoptail. C'est vraiment drôle parce que, bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un magasin de costumes. Mm-hmm. Donc, dans un magasin de costumes qui faisait, entre autres, des costumes pour les grandeurs nature. Oui. Donc, on a beaucoup, une clientèle, beaucoup de GNE. Et quand je suis tombée sur ce jeu-là, j'ai vraiment fait comme, non, c'est pas vrai, c'est carrément ma job. Grosso modo, tu trouves à être une jeune fille qui a probablement même pas 10 ans, c'est vraiment très drôle, où une fée arrive... cogne à sa porte et lui dit « Ben, ton père s'est poussé en nous devant un très gros montant. » Et on ne sait pas à ce moment-là ce très gros montant à quoi il est. Et elle lui donne un mois pour essayer de trouver une façon de rembourser la dette que son père qui s'est poussé, on ne sait pas où, puis on n'en a plus jamais parlé. Donc, l'idée est de créer une boutique pour vendre des objets. Et des armures, et des vêtements, et des armes. À des aventuriers qui s'en vont dans des donjons pour pouvoir ramener des objets que tu vas revendre par la suite. C'est vraiment... C'est un jeu de... Et à chaque semaine, faut que tu augmentes le montant qui est à revenir. Finalement, il devait quelque chose comme pas loin de 800 000 $. C'est vraiment ridicule comme montant. Mais ce qui est intéressant au jeu, c'est que... Si, mettons, à chaque semaine, tu ne réussis pas ton objectif de vente, le jeu recommence à zéro. Par contre, tout ce que tu avais accumulé comme objet... reste dans ton inventaire. Ton argent revient à 1000, qui est le montant du départ du jeu. Mais tout ce que tu avais comme objet, fait que, tu te ramasses ce que tu avais en banque d'inventaire, comme pour à peu près 20 000 objets, là, j'exagère, ces objets-là, tu es au départ. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus facile d'essayer de ramasser l'argent. La première fois que j'ai joué une partie, ça m'a pris 3 réessais pour pouvoir faire le mois au complet. parce qu'à la fin, le dernier montant, c'est genre 500 000 $ qu'il faut que tu remettes. Là. Puis tu as une semaine pour l'accumuler parce que tu viens de remettre 200 000 $ là, la semaine d'avant. Là. Mais tu sais, c'est une bonne affaire de gestion d'argent. Puis plus ça va, plus les clients qui passent, parce que tu as aussi des monsieur, madame, tout le monde du village qui arrivent et qui achètent des affaires, sont willing d'acheter des items plus chers aussi. Donc c'est ce qui t'aide à monter ton argent. Et quand tu finis le jeu, tu as comme de l'espèce de petite félicitation, tu as remboursé toute la dette. Puis elle décide que, ben, on va comme continuer. Fait que là, t'as comme le story mode plus où tu recommences, mais avec plus de bonus. Puis t'as des héros que tu peux unlocker. Puis tu peux partir avec le héros où c'est vraiment drôle parce que là, tu contrôles le héros dans le donjon qui tue les monstres. Puis t'as comme la fille de 10 ans, puis la fille qui est en arrière qui les suit. C'est eux autres qui ramassent le stock. Mais eux autres se font pas taper. Il y a juste le héros qui bâche ou quoi que ce soit qui, lui, mange des dégâts. Pis si le héros meurt, ben t'as comme juste la fille pis la petite fille qui font comme « Ah, oh, faut qu'on retourne au début, mais on peut pas tout emmener ça. » Fait que tu peux ramener un item. Tu sais, c'est vraiment n'importe quoi. C'est ouais, comme « Ok, mort, les monstres les tapent pas, tu sais. » Non, mais non, il l'explique. Il explique dans le début pourquoi qu'ils tapent pas. C'est vraiment niaiseux. Ils ont un champ de force qui les rend immatériels. De toute façon, invisibles pour les monstres, ils peuvent rien prendre. Ouais, c'est comme... C'est stupide. Ah, mais c'est drôle. Pis il y a énormément de jeux de mots parce que, bon, c'est un jeu à la style japonais. Mais il y a beaucoup de mots français. Recette, dans le fond, c'est le personnage principal s'appelle Recette. Caillou, il y a Louis. Il y a beaucoup de noms français qui sont dans les personnages. Excuse, pendant un instant, j'ai vraiment vu Caillou dans le personnage. Ouais, ben il est aussi fatigant, je te dirais, mais pas dans le sens. C'est un mage arrogant dans le jeu. Donc ça, c'est un autre de mes coups de cœur que je joue. En fait, j'ai plein de coups de cœur. C'est tous des coups de cœur, finalement. C'est quoi déjà le nom du jeu? Recit Air. En fait, c'est le nom mix de les deux personnages, la fille et la fée. La fille s'appelle Recette et la fée s'appelle Tear, comme des larmes. Donc c'est Recit Air. Ok, je l'ai ici. Ça fait un petit bout que c'est sorti, ça. Oui, ça fait quand même un bon moment, mais il continue à faire des patchs un petit peu dessus. Donc, tu vois, j'ai 108 heures d'accumulé sur celle-là, sur à peu près 5 ordis différents, donc il faut tout le temps que je recommence mes parties. Je vais m'ajouter dans ma wishlist. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Yeah, ça fait plaisir. Sinon, une petite question pour vous autres. Oui. C'est quoi le jeu que vous avez plus joué avec le plus d'heures? Je suis curieux. Ça, c'est marqué, là, savoir combien FTL. D'heures j'ai joué. FTL. FTL, moi. Mais en ce moment, Rocket League est en train de remonter, là. T'es à combien d'heures dessus? Je suis rendu à 28. 28, ouf, ok. Je suis rendu pro. Ok. Attends, là, je check, là. Faites, je pense que ça va être The Guild. The Guild, j'ai 166 heures, mais ça, c'est juste les heures sur Steam. Parce que j'avais le jeu avant. Bien.
Donc, j'ai 166 heures pour cela. C'est beaucoup, là. Mon premier jeu que j'ai là, c'est même pas Space Engineer, c'est Warframe, que j'ai joué pendant beaucoup. J'ai 325 heures dessus. Oh my. Yeah, moi, je te dirais à peine 2 heures ou 3 heures, que ce soit Axiom Verge ou Ease Origin. Écoute, Fallout New Vegas Ultimate Edition, j'ai joué... Ça dit que j'ai joué 18 minutes, mais il faut dire que j'ai joué sur un VLZ que j'ai pu. Tu es son homme. Ouais. mon laptop Dell que j'aimais tant. Pleurons un petit peu. Non. J'ai fini un jeu en 2 heures aussi. Ah ouais? Ouais, ben il y a eu un spécial, je crois, il y a 2 semaines, les spéciaux de Square Enix. Ouais. Puis il y avait un jeu que, le jeu, j'ai fait comme, ça m'intéresse vraiment, puis il était comme rendu à 2 piastres, le jeu, fait qu'il me dit, c'est quand même pas si pire. Mais je savais que j'étais pour le finir très rapidement et c'est vraiment drôle parce que j'ai eu toutes les 14 succès sur 15. Le seul que j'ai pas eu, c'est genre de trouver 1000 objets. C'est un jeu d'objets cachés. Mm-hmm. Puis ça s'appelle Season of Mystery de Cherry Blossom Murder. Comme beaucoup de jeux de trucs cachés, ben c'est une histoire, il y a un meurtre, puis tu dois découvrir le meurtrier. Puis je trouvais ça intéressant parce que ça se passe entre deux guerres au Japon. Donc, il y a vraiment... Visuellement, le jeu est magnifique. Vraiment, là, c'est à couper le souffle. La musique est intéressante aussi. Mais c'est ça. C'est un jeu de chercher trouve avec quelques petits puzzles. Puis, un des succès que j'ai eu, c'était de finir le jeu en 2h30. Puis, je l'ai fini en 2 heures. Mais il est intéressant. Je l'ai vraiment aimé. Mais c'est ça. Une chance que je n'ai pas payé plus cher parce que, malheureusement, ben... Écoute, on regarde sur le chat en ce moment, là, puis on a Keishi qui dit 143 heures sur Borderlands 2, Shiryuki 9 qui a dit 68 heures sur Team Fortress 2, Dota 2, 338 heures. Ouais, ça, c'est Dota, c'est normal, c'est la même classe que les Guild Legends, ça, c'est normal. Faudrait demander à Guillaume, à Max, puis Eux autres, ça doit être des 400. Eux autres, ils n'ont même pas s'en rendre compte parce que c'est pas marqué, mais souvent, les gros joueurs de là, c'est des 1000 heures, des enfants de même. Je sais que. Un de mes amis, ça m'a vraiment fait paniquer. Pour ceux qui en connaissent sur Steam, une affaire qui est très très populaire, Garry's Mod. Je sais pas si vous connaissez. Oui. C'est pour faire c'est un mod de Half-Life 2 que vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec plein de mods. C'est un jeu de modage, carrément. Ouais. Faites ce que vous voulez. Je sais que celui que j'ai vu le plus jouer dans mes amis, il y a 1400 heures là-dessus. Ça commence à faire mal. Puis là, en plus, on a, je commence, 188 heures sur Terraria. Tu voyais, Terraria, ça s'en est un que je voulais savoir si vraiment il est bon. Il a de l'air intéressant, sauf que... Moi, j'ai joué 2 heures dessus. OK. En probablement 10 fois. Et c'est bon. Je préfère Minecraft, fait que c'est peut-être pour ça. OK. C'est son style... Contrairement à Minecraft, celui-là, il faut pas jouer tout seul. Non, Minecraft, ça peut se jouer relax tout seul. Terraria, non, il y a... Moi, je joue... on est 8 sur mon serveur. Fait que, tu sais, je veux dire, on joue en teamwork. Chacun fait des choses pour s'entraider, puis tout est commun. Mais Terraria, on dirait que j'ai moins embarqué. Bon, peut-être le fait que je suis morte comme 20 millions de fois avant que je réussisse à comprendre comment te faire. Ouais, c'est pas le même style. Ça, puis que mon guide il mourait tout le temps, fait qu'il m'aidait pas. Ça a peut-être pas été non plus à ce que j'aime le jeu. Disons qu'il est plus aventure que Minecraft, qu'il est plus construction. Là. Mm-hmm. Il y a, je pense que c'est Kenshi qui parlait justement de LOL. Le site Western LOL me dit 3306 heures sur LOL. Ah, ça fait combien de temps qu'on a passé sur LOL? Ben, ils doivent checker ton account puis ils doivent te le dire. C'est donc, je lance un challenge à Max Beaulieu, Guillaume3232, de me sortir vos nombres d'heures sur LOL. Ah, oh, je suis curieux. Oh, wow. Puis ils sont là, là. Allez, les gars, c'est le moment, là. Spill the goods. Ah, ouais. Sortez la vérité. Je veux voir la vérité à soir. Ah, ben oui, j'étais même pas sur le bon serveur. C'est sûr que ça me dit pas la bonne affaire. Ah, ça va de quoi? Peut-être, hein? Sinon, avez-vous un jeu que vous attendez en masse qui va sortir sur Steam?
que justement, une autre affaire que ça que j'aime Steam, justement, qui annonce les jeux à leur avance. Oui. Ouais. Fait que y en avez-vous que vous attendez impatiemment? Écoute. The Guild 3. Ouais, avec le nombre que t'as eu du 2, je pense que je comprends pourquoi tu veux jouer au 3, hein? Il a été annoncé? Oui, il est supposé de sortir en 2016. Donc, Je sais pas. Écoute, moi, ça y va avec un coup de cœur, hein. Tu sais, je regarde, j'étais un peu comme, je regarde les images, je regarde les critiques, puis ça me donne le goût de l'essayer, tu sais, puis c'est comme Stardew Valley que je veux vraiment acheter, tout le monde dit que c'est super bon, puis je suis comme, j'étais encore hésitant, mais c'est comme un jeu que t'attends out of nowhere qui... Tu sais, qui réussit à faire gruger du temps. Comme là, je vois Guillaume 3232 jouer à ça. En ce moment-là, il a joué 15.7 heures. On a... Est-ce qu'on le croit? Oh, ben, regarde, je le crois, là. Je le vois devant moi. OK. Mon petit Guillaume. Fait que non, écoutez, je pense que Steam a réellement changé le monde du gaming. Le gaming, il a changé lui aussi, là. Mm-hmm. Non. Sinon, vous autres, est-ce que vous avez des jeux que vous attendez en mars? Il y en a deux que j'attends impatiemment qui vont sortir. On reste dans le Space Engineer-like. No Man's Sky. OK. Qui est supposé être, de la façon que ça a été décrit, des façons qui en parlent et beaucoup de personnes l'attendent, à être le Star Citizen, on va dire, indépendant. OK. C'est supposé faire à peu près la même chose, l'exploration, un univers complet dessus. C'est vraiment, le monde l'attend beaucoup, avec du crafting, avec contrairement avec ce que Star Citizen n'aura pas. Et l'autre qui devrait sortir à la fin du mois, d'après ce que j'ai vu, moi étant un grand fan de Warhammer 40 000, il y a un studio français qui vont sortir Battlefleet Gothic Armada. Le jeu sur le justement le Battlefield Warhammer 40 000, le Armada sur les vaisseaux spatiaux. Okay. Combat spatial avec un peu l'élan. Ça se joue aussi un peu ben, en temps réel, mais aussi avec les un peu au style de lancement de dés. Fait que j'ai vraiment été trippé de voir ça, surtout que ce studio français, puis on a l'air d'avoir fait une excellente job présentement. Ça, j'ai hâte en maudit que ça sorte. OK. Je pense que ça va terminer le sujet pour ce soir. Oui, c'est hein? On a pas mal fait le tour. On a pas mal fait le tour, puis écoutez, il est quand même rendu un petit peu tard. Et je vais commencer avec Shadow. Comment on peut te contacter sur Internet? Et si tu veux donner ton Steam aussi pour que les gens puissent jouer avec toi. Il n'y a pas de problème. Il faut juste que je me rappelle c'est quoi, parce que ça marche de façon complètement différente. C'est Shadow SH4 Doe Games Zone. Oui. C'est Shadow QC Game collé avec un 4. Je vais le mettre au P dans le chat tantôt. C'est avec un 4 à place du A, parce que c'est la seule façon qu'on peut les écrire maintenant, vu que toutes les autres noms s'est pris. Sinon, on peut me contacter sur ma page YouTube, Shadows on Game, et sur la page Facebook du même nom, et aussi sur la page Facebook des accros des jeux. Beaucoup plus facile maintenant que je trouve que sur le forum, ce temps-ci. Oui, on est pas mal tous dirigés vers là. Fait que pour me contacter là-dessus, c'est ça, je vais marquer là dans le chat pour mon compte Steam. Merci beaucoup. On va aller du côté à Crystal, comment on peut te contacter sur Internet et si le monde veut t'ajouter sur Steam. Ben oui, donc sur Steam, c'est Crystal, C-R-I-S-T-A-L, _ Michel, M-I-C-H-E-L. Donc, c'est ça, juste faire attention que ce soit bien un I et non pas un Y, comme il y en a beaucoup qui ont tendance à écrire mon nom. Donc, ça, c'est pour Steam. Sinon, on peut me trouver sur Fil de Cristal sur Facebook. On peut me trouver Fil de Cristal sur YouTube également, si vous êtes intéressé pour mes tutoriels de crochet. Ainsi que, bien sûr, vous pouvez m'écrire sur les articles sur la page accrodesjeux.net ou sur le Facebook d'Accrodesjeux. Merci beaucoup. Antithèse, comment on peut te contacter sur Internet et ton Steam, si ça te tente? Oui, bien sûr, on peut me rejoindre par l'entremise de antithèse@gmail.com ou yahoo.ca. On peut me suivre sur Twitter par l'entremise de antithèse. Je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube sur antithèse seg ou antithèse segment. Vous n'avez qu'à taper antithèse A-N-T-Y-T-H-E-S-E. Et vous allez me trouver sur Steam, c'est dans le même nom, antithèse, A-N-T-Y-T-H-E-S-E,
C'est mon grand sourcing, fait que vous pouvez pas me manquer. Si vous voyez ça, ben c'est moi. Je vous invite également demain, j'en profite pour la continuité, la partie 3 de ma course du jeu Strider sur PlayStation 3, sur cette chaîne même, Accro des jeux live, à 8h. Mais je vous invite également à nous visiter, à lire nos articles et à voir les vidéos de nos collègues sur accrodesjeux.net. Merci beaucoup. Alors, pour moi, il y a plusieurs façons pour communiquer avec moi. Vous pouvez le faire via le site internet des Accro des jeux, accrodesjeux.net. Vous cliquez sur l'onglet « Envoyer un message », ça tombe directement dans ma boîte courriel. Vous pouvez aussi m'envoyer un message via la page Facebook des Accro des jeux, facebook.com/accrodesjeux. Et aussi le Twitter des Accro des jeux que je gère, c'est le A commercial Accro des jeux. Et vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à accrodesjeux@gmail.com. Je vais aller voir si j'ai encore un courriel bizarroïde. Je ne suis pas sûr. Je vais aller voir. Sinon, ben, je peux toujours t'offrir celui que j'ai reçu sur ma page. Ah, oui, non, ça va faire différent. Ah oui, écoutez, moi, sur ma page Fil de cristal, j'en ai reçu un personnel. Je vais aller l'ouvrir tout de suite. Donc, c'est un message. En fait, ils ont repartagé une annonce que j'ai faite. Il faut que je le retrouve. Voyons. Parce que là, je le cherche, je ne trouve pas. Ah, ça arrive souvent. Oui, c'est ça. Ah non, ça a été supprimé. Bon, ils ont été supprimés. Oh. Ah, pas c'est grave. Dommage. Mais si vous voulez envoyer un vrai courriel, vous pouvez le faire à accrodesjeux@gmail.com. Ça va me faire un plaisir de jaser avec vous. Soyez avec nous la semaine prochaine pour un autre podcast des Accro des jeux. D'ici là, c'était le Big Ben. Antithèse. Shadow Kisek. Et Cristal. Pour le podcast Accro, merci beaucoup d'avoir été présent. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye. Bye bye. Oh, j'ai oublié de faire de quoi. On me demande si on veut me rajouter sur... Désolé, hey, je pars mal le podcast, hein, à la fin. Non, bravo. Si vous l'envoyez, si vous m'ajoutez sur Steam, vous pouvez le faire à Big Ben Mirandette. BigBenMirandette. Donc, si vous voulez m'ajouter sur Steam, allez-y, ça va me faire plaisir. Et si vous voulez jouer une petite game de Rocket League, go for it! Bye bye tout le monde! Voyons, je me trompe de MP3 en plus. Vas-y, Christa, c'est le temps de rire de moi. T'as-tu une bonne musique dans ton thème? Là, j'ai mis le départ de Megaman. Ok. C'est probablement mieux que les petits poux. Ouais, le beatbox, on te l'a pas appris. Y'a pas personne ici qui fait du beatbox. Je te dirais que j'ai pas un très grand talent musical. J'ai pas d'oreille musicale de mon bord non plus. Il va falloir qu'on essaie de s'en trouver un prochainement. Là. On va prendre juste des auditions pour les membres qui sont capables de faire du beatbox. N'importe quoi. Ouais, n'importe quoi. Bye bye tout le monde, à la prochaine.